Voilà, Balosto. Bonjour Kid, faudrait que je vous parle quand vous serez disponible. Alors là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Eh bien. Bonjour. Et les vestions. Bonjour lieutenant. Oui, bien sûr. Mich-mich. Freddy. Vous avez eu vos bonnets. On a gagné. On a gagné. C'est la win. C'est la win de la COGIP et du syndicat du LSPD. C'est la win, messieurs, dames. On l'a eu. Merci Mich-Mich! Merci la COGIP! On a nos bonnets! On les a! On les a! Nos bonnets! Alléluia! Mich-Mich champion! Du coup, merci à la COGIP hein, d'avoir porté le combat des bonnets du LSPD. Du LSPD, vive la COGIP, bien sûr. Mich-Mich, le GOT, et bien sûr, toute l'équipe de la COGIP, bien sûr, qui a milité bec et ongles pendant jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien sûr, pour l'obtention des bonnets du LSPD. du coup, on les a eu hier soir, très précisément, bien sûr. Je vous le dis, je vous le confirme. Merci beaucoup Audrey pour le sub gift à Waze. Merci. Mais non, mais c'est une star Waze, non? C'est une star, non? Non? Merci beaucoup en tout cas Audrey. Je vous lis. En direct, le message du commissaire hier à 21h35. @LSPD, message de Terry Patterson, commissaire du LSPD, commissaire en chef du LSPD. Je sais que c'est un peu tardif, mais comme qui dirait, mieux vaut tard que jamais. Vous pouvez porter un bonnet en service pendant le temps que l'hiver restera encore sur Los Santos. Néanmoins, il ne s'agira pas de n'importe quel bonnet, mais d'un bonnet, d'un modèle bien particulier que vous pourrez acquérir à la boutique d'accessoires. Les autres modèles de bonnet couleur ne sont pas autorisés. Le modèle femme est le numéro 12, le modèle homme est le numéro 11. Vous trouverez les photos des bonnets en question ci-dessous. Le commissaire du LSPD, bien sûr. On peut envoyer une tonne de cœur, une tonne de GG à Mich-Mich et à la COGIP. Parce que le combat ne s'est jamais arrêté depuis près d'un mois. Et ça, c'est une grosse avancée pour le LSPD. Le LSPD avance! Hashtag, on les aura tous! On les aura tous! On a réussi. Quel combat. Quel combat après. Un combat d'un mois, messieurs, dames. Un combat d'un mois. Envie de chialer, c'est le plus beau jour du syndicalisme moderne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Incroyable. Oh, allez, bon, bref, on arrête les conneries là parce qu'on va pas se faire ban de Twitch non plus à cause de musique, hein. Mais ne t'inquiète pas, Piche Piche, nous avons les droits. Gloria Gaynor m'avait contacté un peu plus tôt dans la soirée, je lui avais demandé si on pouvait, pour les bonnets,
Parce que les bonnets, ça reste quand même un peu le... C'était un peu au cœur de tous les débats en France et dans le monde. Je m'étais permis de contacter Gloria Gaynor dans l'après-midi. Elle m'avait dit pas de soucis si c'est pour les bonnets du LSPD. Let's go, I will survive. Autant que tu veux toute la soirée et tout et tout. Donc aucun souci là-dessus, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Elle est dead ? Mais non. Mais non. C'est vrai ? Elle est décédée. Merci beaucoup pour les 400 bits, Anonymous Cheerer. Merci énormément. Bonsoir, Nariel. Nariel! Attendez, parce que Nariel a loupé quelque chose. Nariel a loupé quelque chose. Est-ce qu'on peut la refaire, du coup? Est-ce qu'on peut la refaire tous ensemble, le chat, là? Merci beaucoup, Zaman, pour le subgift à Nesquik. Merci énormément. Et merci, Targa, pour le 9e mois d'abonnement. Oui, on le refait. On fait genre, vous êtes pas au courant. On fait genre, vous êtes pas au courant. Et on le refait pour Nariel. Allez. Genre, je vous ai rien annoncé. Est-ce que je dois être confortablement assise? Même allongé, Nariel. Même allongé. Prends un morceau de sucre à côté de toi. Allez, c'est parti. On refait genre de rien. Au fait... Hop, on coupe, on refait comme si vous n'étiez pas au courant. Au fait, est-ce que vous êtes au courant de la dernière nouvelle, le chat? Est-ce que vous savez ou pas? Non? Non, vous savez pas? Eh bien, hier, le commissaire du LSPD s'est entendu certainement avec la direction du LSPD. Et aujourd'hui... 9 janvier 2021. Messieurs, dames, le LSPD est autorisé à porter des bonnets. 2022, des bonnets. Le modèle numéro 11, des bonnets. Vive la commu! Vive Mich Mich! On y est! On l'a fait! Salut brigand! Vive la commu! Ouais, brigand! On a des bonnets! On a des bonnets, brigand! Des bonnets! La 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 la! Voilà, stop, c'est bon. Allez, c'est bon, restez sérieux, c'est quand même du sérieux CRP là. Au bout d'un moment, vous enflammez pas parce qu'on a le droit de mettre 4 bonnets là, s'il vous plaît. Hein, restons tranquilles. Je vous rappelle qu'on est LSPD, qu'on est garant de la justice à Los Santos. Ne vous enflammez pas non plus. Hein. On n'a pas réduit la criminalité à zéro non plus. Hein. On a juste le droit de mettre des bonnets. Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Hein. S'il vous plaît. Ah oui. Oui, non. Ne nous enflammons pas non plus. Merci beaucoup Koé Prodzi pour le 8e mois d'abonnement. Merci Meyod encore pour les 100 bits. Merci Exolite pour le 5e mois d'abonnement. Je peux que m'abonner après ça. Bah forcément Exolite, merci beaucoup. Il y avait quand même beaucoup de suspects. Oui. Merci, c'est tout le parti ouvrier qui est fier de toi. Mais moi j'ai pas fait grand chose. Hein. Moi je n'ai été que messager. Et Mich Mich, lui et la Co-Gip, c'est eux qui ont tout donné. Comme je vous l'ai dit plus tôt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, graine. Non, j'ai pas eu de tweet. Non, j'ai rien eu là-dessus. À
part Gloria Gaynor qui m'a autorisé à diffuser sa musique en MP tout à l'heure, dans l'après-midi. Oui, parce qu'on s'est arrêté là-dessus au final. Et on m'avait dit qu'elle était morte, mais non, elle n'est pas décédée. Hashtag, on les aura tous. Bon, alors, comment on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là en fait? On est où? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Radio, ouais, voilà, c'est ça. Hop là. Apparemment, les jaunes seraient de nouveau présents. Comment ça nous fait chier, les jaunes là? Le 93, on peut y aller, c'est pas notre secteur, mais bon. 10-4, allez-y. 10-4. Bon, voilà. Hein? Ah non, non, mais pardon, non, non, mais ouais, mais vous prenez tout ce que je prends, vous le détournez aussi. Les jaunes, le gang. Si vous avez compris autre chose, c'est que vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Bonsoir. C'est passé un truc avec le. Bonsoir. Bonjour, messieurs, dames. Bonsoir. Oh, je suis de bonne humeur ce soir. Rien va me faire rire. Table basse du passé. Clairement. Freddy va pas gueuler du coup? Bah, je sais pas. Bah, si, quand même. Hein. Parce que si on gueule pas. 32 fins de service. Oh! 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. Bonjour. C'est le maire, je crois. Et voici la star de la lutte syndicale, dans l'angle droit, Monsieur Freddy Kid, et sa victoire pas chaos technique sur la lutte des bonnets. Ouais, c'est vous qui avez gagné, les gars, c'est vous qui avez tout toi, fait. C'est toi, Freddy, c'est toi. Non, non, c'est vous, arrêtez. Eh, on a rien fait, on en a même pas reparlé des bonnets. Ah oui, c'est vrai. On en a même pas reparlé, je te dis, c'est que toi. Ah merde. Ah ouais, bah, je pense. Tout seul comme un grand. Ah, je pensais que c'était vous, moi. Mais non, bah nous on a un peu discuté d'autres choses, mais non, non, on n'a pas reparlé des bonnets. Oui, oui, mais c'est bien en tout cas, ça c'est une bonne avancée, hein. Ah bah ouais. Et du coup, t'as prévu le tien ou pas? Non, non, moi j'en mets pas, moi. Ah d'accord. Mais c'était pas pour moi les bonnets, c'était... hein. C'était vraiment par altruisme pour les collègues. Ah bah quoi, oui, quoi. Clairement, oui. Ah bah c'est. Ah non, puis si j'en mets, je vais leur donner raison, oui. Oui, oui, parce que oui. Effectivement, oui. Et tu venais chercher à manger? Oui, c'est ça, oui. Eh ben, ok, vous pouvez appeler. Alors, attends, je regarde ce qu'il me reste. Je vais juste prendre des boueurs. Je vais prendre de. 7 Felty, s'il te plaît. Adam 03, pas de soucis. Madame 38, populaire. Je vais street. Chercher ça tout de suite. Et vous êtes tous des gens de la Cogip, là? 88, Fouette Lorraine. Non, 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 du tout, c'est tous des employés de Arc. Eh, d'accord. Adam 36, Palomino Avenue. Et pourquoi vous rejoignez pas la Cogip? Excellente question! Ouais, j'ai bien un élément de réponse, il y a un patron, un H et un petit nouveau, tu vois, et puis l'autre est bon. Eh oui, c'est pas de sa faute, oui. Pourquoi vous refusez les patrons? Hein? Parce que c'est un syndicat des travailleurs! Allez, et alors, je travaille moi aussi! Ouais, ouais, mais toi t'exploites les travailleurs! Tu vois, c'est la même chose! Ouais, ouais, Les salaires sont toujours pas validés pour demain. On peut négocier ça. Ouais, ouais, t'as j'ai hâte, tiens. Bah, moi je vous laisse, j'ai du pet sur la planche. Eh, y'a pas de soucis. Allez, bonne soirée, allez, bonne soirée, bon courage à vous. Au revoir. Bon courage. Merci. Au revoir, messieurs Dem. Bonne soirée, bon courage. Un syndicat dans le syndicat? Non. Bon, en fait, ils ont rien fait. Fallait juste être patient. Non, monsieur. Non, monsieur. Patient. Triam. Patient.
Adam 64, puis t'as terminé. Attendez, parce qu'il va m'appeler, donc attendez. Oui. Tu veux négocier? Oui, si vous voulez, oui. On va prendre 374.8. Oui, d'accord, oui. Ça marche. D'accord, je laisse la cadette, je lui explique, enfin, je lui montre comment faire le barrage et j'arrive, d'accord? Parfait. Merci, à tout de suite. Merci. Alors allez-y, on va faire le barrage. Allez-y, vous faites cône, sur le cône vous mettez une barrière, après vous mettez une herse, après vous remettez un cône au milieu, et au bout vous remettez un cône et une barrière, et une herse entre chaque truc, d'accord? Allez-y. Oui. Est. Reçu. N'hésitez pas à mettre les barrières de l'autre côté. Hein. Du coup, moi, je suis sur un toit et... juste au-dessus de vous. Oui, d'accord. Vous voyez l'affiche avec la grosse montre? Strap time. Ouais, c'est ça. Mais la personne qui est juste en dessous, c'est la personne qui veut négocier avec vous. D'accord. Du coup, pour info, je suis le par contre, l'herse, vous mettez bien au milieu de la route. Vous mettez ici, là où je suis, là, et vous la mettez. Bah, c'est vous qui gérez le barrage, cadette, d'accord? Moi, je reste là et... Et moi, je me casse. C'est vous qui gérez, d'accord? Alors, faites bien attention. Et n'hésitez pas à rajouter une herse ici, là. Côté sud, vers vous ou... Sur votre trottoir, d'accord, cadette? Si vous avez un souci, vous m'appelez, vous inquiétez pas. Vous avez bien les clés de la voiture? D'accord. Et cadette, c'est où la meilleure? Oh oui, c'est ça, on est... Oui, c'est bon. Moi, je me rapproche d'eux, hein. Ouais, go, allez-y. Autobahn Percoé et RC, ben... Vous m'entendez? Qui c'est qui pointe qui? Vous m'entendez? Vous m'entendez? N'hésitez pas. Oui, je t'entends. Ah oui. La mégo va se passer en bas, ok? Ah d'accord, mais tenez. Voilà. Je vous suis. Bah excusez-moi, il n'y avait pas de plan, hein. Eh ben, je lève les bras depuis tout à l'heure, qui? Bah, il est juste en bas. Ah, la 52, vous m'entendez là? J'avais les mains levées. Ouais, pas de soucis. Peu, qui? Doucement, là, vous rendez compte? Il y a beaucoup de serreurs de lettres autour de lui. Demain, on est encore là, hein. Bon bah on peut commencer à négocier là, pourquoi faut aller spécialement là-bas là? Bah parce que c'est moi qui décide. Oh c'est vous qui décidez et... En tout cas, pour l'instant c'est moi qui décide. En tout cas je suis heureux de savoir comment vous connaissez mon nom. Bah il est connu ton nom Kid. Oui bien sûr. Je connais ton visage quand même. Eh bon très bien. Allez mets-toi donc sur le trottoir, on sait jamais ce qui va se passer. Bon, alors attendez, je peux juste utiliser ma radio? Ouais vas-y. Je suis venu là parce que les preneurs de tâches voulaient à tout prix négocier ici. Okay. C'est important de le signaler à mes supérieurs hiérarchiques. Pas de problème. Sur la PO, le petit parking. Alors, à votre... Oui. C'est qu'on a un grand événement ce soir. Oui, d'accord, oui. L'événement du Grand Panto Battle Royale. Le BLS me signale deux employés qui ont abandonné leur camion. Le Grand Panto Battle Royale. Il va y avoir des morts ou quoi? Je t'explique le principe. On a 6 otages, d'accord? On a 6 pantos. Du coup, 52, votre priorité, c'est de savoir le nom des otages, puis les otages vont monter dans les pantos. D'accord. Ok? Et ils vont faire un battle royal. C'est-à-dire que les otages vont essayer de s'expulser à l'extérieur du parking. Oui, d'accord, oui. Avec les pantos, ok? Du coup, pour info, pour de ce parking-là. De ce parking-là, exactement. D'accord. Voilà. Et celui qui arrive à pousser une panto en dehors du parking, ça sera le prochain libéré. Attendez. Attends, le prochain quoi? Le prochain libéré, celui qu'on libérera en premier quoi. Celui qui sera dans le parking encore, d'accord. On va voter pendant que c'est calme, on va faire un 0-0. Oui, c'est ça, c'est moi qui arbitre. Mais les 5 autres, vous avez pas les tués?
les tuer. Mais non, on va pas les tuer, on va faire plusieurs rondes, kid. Et puis à chaque fois, celui qui gagne, et ben ça sera le prochain libéré. Non mais vous êtes cru dans un jeu vidéo ou quoi là? Vous pétez les câbles, les gars là. Mais non, c'est un panto Battle Royale. C'est... Mais sont où les pantos là? Bah les pantos sont sur le parking derrière. Ah déjà là-bas, d'accord. Bah oui, elles sont là-bas. Tout est prêt, on est voilà. Bon bah excusez-moi, je vais relater ces faits à mes supérieurs hiérarchiques. Hein. Je t'en prie. Voilà. Qu'il est un petit peu désarçonné. Bon, vous êtes assis, la flèche? Non, je suis debout, mais allez-y. Allongez-vous. C'est bon, allez-y. Il y a 6 otages. Les preneurs d'otages veulent organiser un grand pento royal. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont les mettre, les 6 otages, dans chaque pento qu'il y a et organiser un destruction derby sur le parking. Le dernier otage qui restera dans la voiture gagnera la manche. D'accord. Alors, normalement, ils vont pas tuer ceux qui sortent du parking. J'ai bien demandé ça. Je peux me faire sur le petit parking qui est devant nous là. Ouais, celui qui est en face de nous là, en dessous là. Ok, mais c'est quoi leur but là? Attendez, je vais retourner un peu, oui. Je vais savoir à peu près. Excusez-moi, j'ai pas tout compris hier. Ouais, alors, vous voulez que je répète? On a le LSMS côté. Oui, je veux bien. Alors, en fait, ils vont faire un grand panto royal. C'est-à-dire que les 6 otages, ils vont les mettre dans les 6 pantos. Et ils vont faire un destruction derby sur le parking. Et le dernier otage qui restera, il aurait gagné. Alors, de ce que j'ai compris, en plus, ils veulent faire des rounds. D'accord, bah, demandez leur c'est quoi le but du coin. Ouais, d'accord, 10-4. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y. La bonne, c'est que le SPD a un esprit très couberta. C'est-à-dire que nous, on aime les Jeux Olympiques et tout. Deuxième, c'est quoi le but? Le but? Oui. Bah, le but, c'est que quand on va libérer, on libérera les otages, que si on a des choses en échange. Et c'est quoi ce grand panthéon royal, là? Eh bah, c'est parce que tout le monde aime s'amuser ici. Et un battle royal de panto, c'est marrant. Ah, tu l'as dit, il y a l'esprit couvertin dans l'esprit. Oui, mais je suis d'accord là-dessus, mais j'ai pas compris du coup. Alors, donc en fait, vous demandez des trucs en plus, quoi. Bah évidemment, on va pas te libérer un otage gratuitement, kid. Faut pas exagérer non plus. Mais si vous les tuez avant dans vos pantos, comment on va faire? Mais ils vont pas mourir dans les pantos, c'est des pantos, ça va à 50 km/h et ça se retourne en 2 secondes. Et à quel moment vous nous demandez des trucs là? Et bah. Le prochain otage qui va être libéré sera libéré, mais que si tu donnes quelque chose en échange. Et t'inquiète pas, je vais te les faire mes revendications. Et le... C'est le royal, il faut donner quelque chose. Ah là. Non mais je vais avoir une nada. Ah, j'avais pas compris ça, d'accord. Ok. Donc on lance le premier round. Oui, d'accord. Et qu'à la fin du round, il y a un otage qui soit libéré, et ben je vais te demander un mégaphone. D'accord. Ok, d'accord. Ok, bah je transmets à mes supérieurs hiérarchiques. Très bien. Bien sûr. Oui, alors en fait, c'est bon. Alors, le chef. Va y avoir un grand panto royal d'organiser, comme j'ai dit, sauf que le gagnant de l'épreuve, il sera libéré. Mais en échange, pour faire partir la première épreuve, il demande quelque chose en échange. Donc, par exemple, pour ce premier round, c'est un mégaphone. On en a déjà pas pour nous. Bien sûr, j'ai pas répondu ça, lieutenant. Bon bah messieurs, bonne soirée hein. Et désolé pour le dérangement. Très bien des amis quand même que je vais bien. Ah, vous avez pas de téléphone? On est tous. Non. Ah donnez. On est sur Morning Mood de direction sud. On réserve à chaque fois pour. Attendez, je vous donne un téléphone. Merci. Qui c'est qui veut un téléphone? Non, c'est bon, j'ai ça. C'est bon, j'ai. C'est bon? Très bien. Au revoir messieurs. S'il vous plaît. On s'approche. Toujours marathon direction est puis Dorset sud. Héritage Way, direction ouest. Elle prendra les petites rues à travers.
Et c'était comme tac. Alors retombe sur Dorset et direction est. On a plus de bagnole. Bah non. On rentre à pied hein. Et derrière vous. Non, non, ils ont dit qu'ils faisaient le tour, c'est 50 qu'ils faisaient le tour du passage. Du dispositif et des queues. Oui, pour s'assurer que l'air soit bien. Eh oui, oui, oui. Pas de lamination, direction pas de lamination toujours. Ah moi c'est fini. On renfordra les négociateurs, c'est bon. Ah ouh, bah je sais pas pourquoi vous êtes emmerdé à faire de la négociation. Hein. Au final, je les ai bien niqués, on leur a donné que 6 radios. On prend Drive Nord toujours. Ouais, 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 ça prend Saint-André, mais là, il y a une gueule. Allez-y. Ah bon. Et je pensais pas qu'on négocie. On est à travers hein. Prosperity, une direction Nord. Ah ouais, bah ouais. Mais le problème, c'est qu'on a pas pu trop négocier au départ. Ah. Non, mais si, on les. Du soccer là, non. Gamin. Ils voulaient pas faire du soccer. Mais si. Mais ils en ont fait un peu au début, hein. On est nord. Et après, je me suis engueulé par les otages. Parce que oui, c'était. Les otages, ils ont gueulé. Oui, parce que c'était trop rigolo ce qu'ils faisaient. Alors ils voulaient continuer. Mais c'était une kleine. Ah, bon. Les otages, ils trouvaient ça rigolo. Oui, ouais, là, ouais. On doit faire au freeway direction. On leur sauve la vie, puis. Mais oui, non, mais c'est exactement ça. Ouais. Oh. Mais c'est. Eh ben, j'ai fait lui dire, t'as qu'à repartir, toi. Ouais, bon. Moi j'étais prêt à intervenir, hein. Mais bon. Sur Del Perro, mais moi je pensais qu'on allait intervenir. Ouais, moi aussi, quand j'ai vu le sweat, etc. Mais elle nous a pas vu. C'est nous pit, c'est nous pit. Jusqu'à la vue. Ça prend toujours Del Perro en sens inverse. Et j'ai l'impression d'être dans un ça théâtre sort, de guerre. Ça sort par R1, il est reparti là-bas. Ah, va pas se sortir là. Bah, s'il bouge pas, s'il bouge. Enfin, bon, bref. J'ai l'impression de balader dans une zone de guerre avec le bordel, le truc. Le PC. Ils se sont fait percuter les deux par des voitures donc. Bones, madame. C'était pas. C'était un peu long, non hein. C'était un peu long, non. Bon, on est quand même resté plus d'une heure et demie. Ouais, ouais. On va prendre Sandra F. Une heure et demie derrière la bagnole. Et vous savez ce qu'ils ont demandé aussi ? Un article de Weasel News. Pour que leur zone soit reconnue. On suit toujours un Super Diamond. Elle est sur Palomino Sud. Elle rentre dans le parking. Allez. Ah bon, on rentre à la maison. Merci beaucoup, Méliot, pour les 100 bits. Ça sort plus à pied, ça sort plus à pied, ça sort plus à pied sur Ginger Street. Merci Biceps pour le deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci Jambon pour le troisième mois. Merci Cessnec pour le dixième mois. Celui qui a mis un point là, il faut l'enlever. L'autre il est lancé du parking, il faut pouvoir à l'intérieur. C'est pas moi qui ai mis le point. Et c'est pas moi non plus. Ah, c'est pas moi non plus. C'est bon. Et c'est bon. Il y a eu un tir dans le cadre. Ah non, ça c'est pas la Ginger Street. Si, c'est là. Pour attaché. Ah ouais, si, le pont Ginger Street, ouais, c'est ça. Et le parking Ginger, où ils sont. Il y a deux Super Diamond avec des personnes qui courent en plein milieu, oui. De la de feu. Je suis avec l'unité qui était sur place. Bah, 10-404. Non, non, 10-404 quand on est passé à côté de la mairie. Pour celui-là, Super Diamond, pas le numéro 7. Oh, c'est la politique, ça prend trop la tête. Ok, comme ça, l'unité est sur ma position, s'il vous plaît, avec Palomino et Vespucci. Palomino et Vespucci. Zone, je m'en rappelle. 10-4. Non, ça c'est Little, si vous voulez. Ils sont progressés dans le parking. Derrière nous, là. Adam Zero, je vais vous dans le parking. Mais on est 4 dans la bagnole. Ah oui. J'ai un peu trop bouffé à midi. Ça dit quoi dans le parking, Jenja? D'accord. J'imagine. On en a chopé un qui sortait du parking. Et moi j'ai une raclette ou quoi? Des uns qui sont en train du tout. C'est géré, c'est géré. Des burritos. Pas du tout, on est en vous là. Mais c'est des bombes hein. Mais sans viande. Sur Palomino, il y a deux voitures. Il me semble que c'était un super. Il est à vous. Vous remplacez la viande par des haricots rouges. Ça marche super bien. Ah oui? Ah oui, oui. Oh, vous vous pétez le bide. Ah, mais ça fait pas que faire péter le bide, non? On a une autre force. Non, c'est des haricots rouges. Mais on est le deuxième véhicule. Ah, 10-4, je vais demander si tout est bon et tout est calme. Ok, à ta street direction nord, on passe devant la MST. C'est la Super Diamond. Mais c'est... Ah, c'est une Super Diamond. Oui, oui, oui. Oh, tiens, on rattrape, hein. Allez, on se bouge. Et on le rattrape. Oui, il était pite, vas-y. Allez-y, roulez, roulez. Oh, oui, c'est bon. Vérifiez vos ceintures. Ouais, vérifiez. Non, ouais, j'ai un peu le burrito qui remonte.
Putain, on sait. Toujours spammer direction ouest. Nous on sur 128 direction nord. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. À gauche, tu es. Ah ouais, je veux. Avec les boulevards ouest. On va bien se faire. C'est un sac en plastique derrière. Oh, on est là. On vomit ses parents. Oh, peut-être pas moi. Je promets rien. Et tu peux faire S. Est-ce que il est au-dessus de nous à droite, je crois. Il est à droite. Devant vous, Henri. Attends, il est tourné à droite. 4. Puis à gauche. Allez-y, tout droit, tout droit, tout droit. Allez-y. Ah, il prend. Allez-y. Quand on le suit, on est rendu sur Picture Perfect direction ouest toujours. Ouais, ah non, est. Ah merde, il a fait du tour. Ouais, merde, pardon. On va arriver sur Clinton. T'as tout droit là, il va redescendre. Il a redescendu. Allez-y, allez-y, roulez, roulez, ils sont devant. Ils sont super là. Super Clinton. Devant. Ah non, derrière. Ah non. Ah non, super Clinton, c'est devant. Oui, d'accord, regarde. Derrière, ça se pique. Ils sont descendus, non, ils sont tout droit. Sud sur Elgin. Mais sans déconner, il a fait le tour comme ça, mais. Elgin, ils descendent. Ils sont. Laissez-vous la quête vitesse, le type. Tiens, on écoute vos calls. Venez à droite, anticipé. Ah, j'avais une voiture là-bas, j'avais que... Populaire. Il a pris populaire, il est parti on carrément de l'autre côté. On va pas grave, foncez plus loin. À gauche, à gauche, à gauche et tout droit. À gauche, à gauche, à gauche. Ok, ils sont en train sous le... Ils sont où là? C'est moi direct. Tout droit là, ça va être sur populaire. Oui. Populaire, arrête. Toujours tout droit. Le pont est suivi vers Spucci, direction ouest. On va passer à gauche comme il faut. Ok, ça va être la bon, prochaine à droite. On est devant vous là, je viens de passer. Ok, vers Spucci ouest. Ah, ils sont en place. Il va revenir. Non, non, ouest, place Wolf. Oui. Ah, ouais, non, c'est place Wolf. Ah, c'est toujours tout droit. Non, en train sur nord, MST. MST. Trans Occupation, Occupation West. Okay, ah, ils sont déjà tout en haut là, vraiment. Mais je vous donne un petit tip. Suivez pas le. Ouais. Essayez pas d'aller à l'endroit où. West, mairie. Essayez pas d'aller à l'endroit où ils disent. Anticipez en fait. Ouais, c'est ça, je vous ai essayé de passer ici s'ils redescendent. Genre, ouais, ouais, là, ouais. 14 foot nord. Ils redescendent pas. Ça va prendre des impacts, il va prendre, il y a deux. Reste en bas là. Il y a des vides plans, ça va. Ouais. C'est un des enfin qu'on essaye. Zap. On essaie de se rapprocher de 35. Il y a des 4, mais vous êtes. Il faut deux unités qui sont boulevard ouest, ouest. Taya Vista, des petits sud. Il va revenir vers nous. Il est en face là. Bah, en fait, ils sont déjà deux. Sud, je suis en oracle. Oui, mais gênez-le. Ils sont en face, ils viennent prendre des virages. Oui. On est derrière en oracle là. On va juste essayer de les gêner. Ah, il est là, vas-y, allez-y, roulez, roulez, roulez. À gauche, il va arriver peut-être de la gauche. Allez, viens, père. Non, il arrive pas. Tout droit, tout droit, tout droit. On croise nos Vista, ouais, maintenant. Dorset sud. Dorset à droite. On croise Palomino, triplet, Palomino sud. Il y a la triplet, donc là, prochaine à gauche. On est combien sur la poursuite là hein? Bah c'est... aucune idée. À droite, droite. Paris 19 pour le TM. Il va peut-être arriver de la gauche. Le TM est le D1. Non, tout droit, tout droit. Ah, j'ai gauche, il est à gauche là, il est à gauche, il est à gauche. J'ai vu. Ah putain. C'est qui n'a pas tiré, mais. Il y a 4 mètres. Ah, 4. On est pas assez. On est 4 dessus. On est pas assez, faut appeler tous les renforts. Ils sont suivis, ils sont suivis. On est 4 dessus. Ah, ils sont suivis. C'est pas une. C'est pas une oracle. C'est l'oracle, je pense. Non, y'a pas les quads.
Ah oui, effectivement. Il aurait fait les codes, hein. On va peut-être viser celui-là, on aura peut-être plus oui. Oula, vous inquiétez pas. Oui, mais voiture s'est mis dans la course là. Eh ben, il y en a un qui était pité. Suivez-le, lui, suivez-le. Ah, trop tard. Non. Non, pas. Véhicule pit. Il repart sur Adam, on s'appelle direction est. Mais c'est une clochette. Autorisation de taser les pneus, on est d'accord là. Ah, il s'arrête. Non, mais mettez-vous devant, il a pite nos véhicules là. C'est pas un contrôle. Ah, parce que c'est bon, ça se fait pas. On va arriver derrière le commissariat. Il passe derrière le commissariat, direction nord, l'Italie Gand. Vous pourrez raccrocher le téléphone s'il vous plaît. Vas-y, bonne soirée. On peut savoir ce que vous faites dans la course-poursuite, messieurs? Bah, l'autre connard là qui m'insulte quand il me tape par derrière, voilà. C'est qui l'autre connard? À côté du poste, et on reprend ouest. Comment? C'est un là, mes couilles. Ah mais c'est une blague. De quoi c'est une blague? On reprend sur le gain, non. Il me fonce dedans, il me dit bouge pas de la connard. D'accord. Bah voilà. Et donc du coup vous dites, là je vais faire comme la police. Je vais mettre mes petits pimpants que j'ai achetés sur Wish et je vais faire une course poursuite avec les flics. Non, je rattrape et je vais expliquer clairement les choses. S'il a un truc à nous dire, vous appelez. Non mais il y a un petit problème là monsieur, en fait, c'est que vous êtes rentré dans les voitures de police. Non, je suis pas rentré dans vous. À aucun moment je vous ai touché. Et vous nous avez... Monsieur, ça va aller là? C'était mon droit. C'est une Santo. Sortez du véhicule là, messieurs là. Pas touché. Sortez du véhicule. Sortez là. Super. On a rien fait. Ouais, et pourquoi? Quelle raison là? Pour quelle raison? Mais c'est une blague. Non mais vous rigolez ou quoi? Pourquoi c'est une blague? Et oui, on est très... Non mais faut que je vous réexplique les faits là, monsieur, ou pas là? Ouais, mais c'est lui, Alors, est-ce que vous avez entendu la raison, collègue? Ils étaient dedans, avec quelqu'un qui avait une arme. Oui, j'ai entendu... Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désolé, vous en tant que citoyen modèle... Attendez, on va demander au cadet. Cadet, venez voir. Mais il est pas bien, cadet. Ils étaient deux dans la... Il a la verbe, hein. Faut qu'appeler un médecin s'il y a eu un commun. Comment c'est messieurs, j'ai une porte. Diamond, c'est monsieur Eli, apparemment. On est vraiment des deux dedans. Allez-y, cadet. Ils vont vous expliquer leur histoire et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Donc, je profite du calme sur une des poursuites. Il y a une personne qui a été amenée au LFMS dans la voiture de 7 à Paris. Pas encore d'identité. Je veux éviter qu'il se rende au SMS tout de suite, sécurisation. Ah, mais expliquez votre histoire au cadet. Expliquez votre histoire. Je veux une personne interpellée en cellule. Le reste de l'ITERM, vous faites un dispatch. 15, on va au SMS, on est à la 4. Est-ce que vous êtes? Vous êtes? Allez, bougez pas. Je vous demanderai de circuler, s'il vous plaît, messieurs. Non, ça se chauffe pas du tout, non? Mais vous pouvez circuler, s'il vous plaît. Laissez faire notre travail, merci. Oui, bah nous aussi, mais bon, le problème c'est qu'il y en a d'autres qui se mettent dans les convois et du coup on a du mal. Déjà contre nous, c'est compliqué. Alors qu'en plus on rajoute des unités. Et vous apprendrez que quand je quitte l'autre. Oui, mais attends, laisse-moi finir. Quand j'ai quitté l'autre, après je me suis barré. Je peux pas vous gêner. Monsieur les agents, nous sommes sincèrement désolés. Oui, c'est ça, vous avez des trucs à faire, je sais bien. Barrez-vous, hein, et attention aux voitures de police, hein, concentrez les gyros, vous mettez sur les cartes. C'est compris. Monsieur, vous ou pas, au cas où monsieur, oui. Monsieur du milieu là. Oui. La fenêtre que vous avez pété, j'ai très bien vu ce que c'était, d'accord? Vous parlez de mon taser? Je vous le saisis, je vous mets la main directe et tout le monde repart, on fait pas d'histoire, d'accord? Ok. Voilà, comme ça c'est bien. Moi je vais vous donnez-le moi en main propre. Eh, il conduit plus, hein, moi je veux plus. Je voulais pas le déclarer, hein. Monsieur, revenez de là. Ah oui, l'amende. Jamais il conduit. Il arrive à lui. Oh non, non, non. Il a pas l'air bien votre collègue. Ah ouais. La neige, hein. Sur le tu sais, hein. Si vous prenez à gauche, après vous prenez à droite, vous savez pas où vous allez, du coup, moi, là. On entend fort, votre collègue, là. Et vous savez pas la soirée qu'on est en train de vivre, là. Ah oui. Oui, j'ai rien à foutre, il m'insulte pas. Il me fonce pas dedans. Mais vous allez porter plainte, monsieur! Mais pas ferme ta gueule et Wyatt. Je vais peut-être te frapper.
Non. Je vais t'enculer après s'il faut. Hop, super. Merci monsieur. Bon. Oui, c'est bon. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ouais, bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bien. Bien, c'est pas bon. Encore. Et oh. Ah non, après tu vas encore suivre des voitures. La bagnole, hein. Allez. Mais non, étonnamment, ça, oh, je me suis chopé. Vous voulez conduire, KD? Oh, j'ai trop mal au cœur. Attends, on va pas être bien loin parce que j'ai plus d'essence donc. Ah bon. Attendez. Bah, moi je viens de saisir un usine. Ouais, faites attention, vous avez pris à qui c'est? Ouvert. Comment ça, à qui c'est? Bon, le nom de la personne. Bah, ah oui, du coup, vous allez mettre quoi sur la saisie? Bah, il est 10-19 là. Allez, 10-19, ouais. Ah bordel! Eh ben c'est le diamant de la bâche. Bénisse plutôt! Non! Non. Ah, mais vous savez pas où vous allez, bordel! Au point de vue d'essence, j'ai bonne idée. Bah, en fait, je sais pas, j'ai un doute, Eya, de quand il paye son amende, c'est pour ça que j'utilise pas. Oui, ah nickel! Toujours tout droit, ça me va! Parce que vu que c'est un message. J'ai attention. C'est un message du jeu, tu vois ce que je veux dire, d'un script. Du coup, je sais pas trop. Ça vous va comme ça? Nickel. C'était pas mal. Ouais, pas trop vite, ça fait de la mousse. Ah bah là, on a 60, donc du coup. Nickel. Oh, super. Je vais descendre, je vais aller faire la réparation. Ah bah, ils les ont attrapés, ils sont tous là. Ah bon? Bah oui, je crois bien. On a pas choisi. Il nous reste 3 litres. Hein. C'est quoi la fréquence secondaire la courte portée là? C'était pendant l'opération, faut pas nous déranger. Ah d'accord. Cherki, bien joué. Et merci, excellent. La secondaire c'était le terrain et nous c'était le. On a quelqu'un qui est sorti de sa voiture qui a été remplacé par une voiture qui a été amenée là-haut et la voiture appartenait à cet adario. Monsieur Dario en cellule. Qu'est-ce qu'il y a? Vous. Qui on a en cellule? Pas Dario. Bah alors c'était son dossier qui a été renversé. Oh, c'était. Je vais aller regarder les dossiers là. Vous les connaissiez pas du tout les types là? Non, pas du tout, non. Oh merde. Mais moi les types là? Les 4 types qu'on a arrêtés là. Ça va aller 02 10-4. Vous mettez saisi, mec qui gênait la poursuite. Didier Durand. 04-49. Oh, mettez jeune 2. Quoi, besoin de réparation ou pas? 12-5. Ok, 10-4. On va suivre les bénis. Je laisse les soins de quelqu'un de contacter la nef de recherche, monsieur Dune. Merde, je sais plus le numéro, moi. C'était il y a une heure et demie le numéro qu'on m'avait filé. 104 pour 52 et 60. Putain, disquette. Vous me faites un call Bénis pour faire la totalité du parking si vous. Disquette. Chargez-vous en. C'est quoi la nouvelle fréquence radio? Au moins marche pas. Ouais, 209-52, vous en mettez pas faire le call, il y a un dépanneur qui arrive. Normal. Disquette. Et 60, je suis déjà au poste. Eh ma petite cadette là. Ma petite cadette, je l'ai abandonnée depuis le début de la soirée là. Qui? 60. Les agents qui ont rien à faire, dépêchez-vous d'arriver sur le parking s'il vous plaît. Bah oui. C'est ici le Uzi ou c'est en bas? C'est en bas je crois. Ah merde, 10-4. Putain. 10-4. 10-4. Henri des 19. 10-4, pourquoi il y a une super diamante qui a été ramenée au LISP? Ouais, retenez le dépanneur. Parce qu'il y a un défi dans le 10-4. Il faut que je sorte les véhicules ou pas 09? Je crois que vous fassiez un tour du parc, c'est ça? Oui. Ouais, bah faudrait sortir un parc, quoi. Le rec là, c'est bon. Deuxième rec là, c'est bon. Félicitations, monsieur. On a oublié de sortir les sacs. Devenu un spectre comme vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça va, Kid? Oui, ça va et vous? Je suis pas sûr. Et quoi? J'ai jamais vu une prise de charge comme ça. C'est compliqué celle-là. Non, non, mais attendez, capitaine, on a fait de l'excellent travail, on a donné que 04 pour 6 radios. Vous parlez bien par contre.
Pardon. Elle a donné 6 radios. Pour 6 étages. On va se pousser de là quand même. Allez, rejoindre les autres, s'il vous plaît, vous allez dispatcher. Mais je fais pas de service moi. Ah ok, bon bah c'est une fin de service, y'a pas de problème. Depuis tout à je cherche quelqu'un à le dire et. Ah mais dites en radio. Oui, vous pouvez le dire en radio, 4D. Une situation de fin de service. Et puis voilà, faites votre vie. Bon, bon excellent travail, 4D. Hein. Merci. Est-ce que j'étais avec elle avant? Okay. On a donné que 6 radios, hein. Ouais. Pour 6 étages. Après, ils ont fait des courses quand même. Ça me fait plaisir de lui chier à la gueule, le mec qui était masqué. Oui, mais j'ai bien vu que vous preniez un mal à plaisir. Bah, je suis le bouclier, ils ont dû parler, il y a Don à côté. Oui, parce qu'en fait, ils se foutent de. Enfin, ils se foutent un peu de ma gueule, parce qu'en gros, c'est toi le négociateur, mais tu décides de rien, nanani, nanana. Mais en fait, eux, c'est exactement pareil. Hein. Où tu négocies, puis après, ils couraient vers Dune, là. Enfin, bref. Bah là, pour ce qui est des news, c'est vrai que j'aurais dû me tiquer, mais ça dépend même pas de moi, ça dépend encore au-dessus. Donc là-dessus, c'est sûr que je peux pas vous laisser la main. Et puis pour les radios, bah forcément, si vous mettez à l'ESPI. Ouais, ouais, mais on les a enflés de radios. Ils ont oublié qu'ils ont libéré Natasha et que j'aurais pas donné de radio. Avec toute cette cacophonie. On a récupéré. Capitaine, ouais. Du coup j'étais convoqué par le lieutenant, je pensais pour soit une promotion ou me faire engueuler. Je vais voir avec 02. Ah ouais, d'accord, ouais. Belle opération, félicitations. Lâche-moi. Ok, du coup. Donc on va pas faire de. Vous êtes qui vous? Ouais, je sais. Tu le dépanneur? Ah ouais, bah merci, oui, oui, là, ouais. Et y'a quelqu'un qui s'occupe de vous là ou pas? Bah j'attends les véhicules, voir s'il est en train de vérifier si les véhicules... Ah il est en train de le faire, voilà, ok, d'accord, si j'ai le fait. Oui, je me fous bien dans la base, j'ai eu... Oui, oui, vous étiez tel... dépanneur incognito. Non, ça a choqué. Ah oui. Moi j'esquive ce qui se passe là-bas, là. Mais bon, vas-y, je retourne. Oui, bah... C'est la semaine, moi, depuis Chalou, là. Bah, quitte. Stéphanie. Oui. Merci, merci, mais j'ai pas eu de promotion, en fait. Ah, je croyais que vous étiez inspecteur. Non, 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 je suis toujours servant. Ah, d'accord. Mais c'est gentil, merci. Attendez. 52, vous partirez avec Johnson, 55. Et que genre okay. Landry, vous partez avec 66. C'est reçu à l'SMS, merci. Excusez, je me rapproche, je l'entends pas, moi. 03, vous partez. Ah bah non, NT prend une fin de service, c'est ça. Ah bon, c'est Feren, mais j'ai même pas vu. Mais c'est terrible. 03, vous partirez avec. Merci beaucoup, Monodai. Merci énormément pour le raid. De 418 spectateurs, merci énormément. 38, c'est ça que vous me dites. Désolé, je suis débordé par les événements. On reprend un 10-0-0 et vous oubliez la fréquence de terrain qu'on avait tout à l'heure. Streamer pro, bien sûr. Streamer pro. Désolé. Merci beaucoup, Monodai. Merci énormément. Ah, j'ai peur. Ah, mais non, des bots. Ok, ça marche. Bah, je vais partir avec... 6-2 minutes. Je vais partir avec Ox. 10-4. Et 49, vous pouvez partir en Lincoln, si vous voulez. Ok. Ou en Marie. Vous voulez faire de la Marie? Ouais, ouais, pas de soucis. Elle va partir en Marie. Parfait. Les subs, c'est bon, j'ai remercié. Bah, moi j'ai une question. Je crois qu'on est bon. C'est combien de personnes par CP normalement? Deux. Ok, okay. Alors, comment c'est ça qu'on était 6? À la fin, c'est un super d'abord, oui, tout le monde s'est rapproché. Ah oui, à la fin, on était. À la fin, ah on oui, était oui, à la fin c'était. Pas que à la fin, mais je sais que nous, à un moment donné, on était en trop, mais c'était plus. Dans ma logique, c'était plus un entraînement poursuite pour le cadet qui était avec nous. À la limite, on est resté à distance. Que vous ayez une oracle en plus dessus, l'oracle elle peut pas pit, mais ça fait quand même la deuxième. C'est, voilà. Donc si vous voyez qu'il y a une oracle et qu'elle est toute seule, bah, une inter ou une bouche revient, mais pas deux inter. Merci. Nous, si jamais on suivait en parallèle et on a attendu avant de bien venir que le véhicule soit arrêté, quoi. Je préfère. Il y a d'autres choses à faire en fait quand il y a une CP en cours. Oui. La ville ne s'arrête pas à côté. Et mais c'est sûr, on sait tous que les CP c'est sympa à l'autre, mais évitez de rester trop autour. Unité à patrouille. Ah oui, tout à fait. Prendre un petit assassin avec l'inspecteur. 15, je pense, pas tout ça. Je sais pas qui c'est, mais. Il y a une volonté.
Il y avait une volonté de nous assassiner. Quoi? Adam 51, on est toujours au LSMS. Salut les bots. Bonjour les bots. Il y a 4 potes qui étaient en pro à la fin, c'est qui? Sur un tout de son, il n'y était pas. Alors, si je peux me permettre, il y avait nous, mais en fait, nous on a arrêté le véhicule civil qui était dans la poursuite. Celui qui suivait la. La Super Diamond verte? Non, le blanc. D'accord, ok. Moi, je veux les gens qui soient CP, la Super Diamond. Bah, on était dessus, mais à cause de l'autre véhicule qui avait pris en chasse une autre unité de police, on l'a intercepté. Et du coup, au bout d'un moment, il a lâché et on l'a suivi. Ok, il manque deux du coup. J'étais avec 43 et 25, on a rejoint sur la Del Perro quand ça a changé. Répétez les noms, s'il vous plaît. Mercury et Holloway. Est-ce qu'on a des poursuites contre eux? Est-ce qu'ils ont été reconnus pendant la PO? Personnellement, non. Le véhicule, je crois, pendant la poursuite d'avoir reconnu Mercury, mais. Il y avait Gaeta, c'est sûr. Il faudra demander s'il y en a. On fait ramener Mercury alors. Est-ce qu'on a la situation? Pour Mercury, il a été probablement reconnu sur la CP. La Diamond de Ellie sur la location. Donc du coup, on va faire une chose, c'est que à chaque fois qu'on verra une voiture en trop sur le CP, il y aura une sanction derrière. On répète à chaque fois, ça fait 6 mois que je suis là, 6 mois qu'on le dit. Donc maintenant, on va falloir faire attention à ça sur le premier monsieur. Je sais que vous voulez bien faire, je sais que c'est pas dans le but de nuire, mais faites attention à ça, d'accord? Donc là, il y a une confusion entre deux CP différentes, tout le monde s'est mélangé, ça arrive. Mais auparavant, j'aimerais bien que derrière, ça se termine ça, d'accord? Et petit point supplémentaire, quand vous voulez pit, redemandez bien si l'autorisation de pit a été donnée. Je le répète, on a failli se manger un pit avec 90. L'autorisation de pit n'avait pas été donnée en plus. Hein. Donc faites bien attention à ça. 10-4. Et surtout la façon dont vous faites vos pits, c'est-à-dire qu'arriver en face et couper la route d'un coup, vous allez vous faire mal, hein. Mais très mal. Après, GG pour votre patience pendant la prise d'otage, c'est super facile. Surtout que d'ailleurs, on va demander de revenir, partir, vous habiller, revenir, partir. Donc, je sais que c'est pas le plus fun, le plus cool, mais en tout cas, là-dessus, vous allez gérer aussi. D'accord, monsieur? Donc, point négatif, la CP à 6, point positif, c'est que tout le monde a géré le reste, la fin, c'était quand même pas mal. C'est bon pour vous, Métaillon? Ouais. On a chopé combien par curiosité? Pour l'instant, on a 4, je crois. Ah d'accord. Ouais, je veux 3-4 ou 5. 3-4, ouais. 4, oui. Voilà. D'accord. Donc plus c'est à fond. Combien de radios sur celles qui ont été données? Je suppose qu'on t'en supplie 3 ou 4 aussi, je pense. Après, je sais que... Les gars qui étaient sur place au début et pas les débiles qui se sont greffés sur le... Ellie, il est mis à la fin. Je l'ai vu partir des canaux. Alors, on vous pointe le négatif, mais sachez qu'on retient aussi le positif, hein, bien évidemment. On vous félicite pour le travail que vous faites au quotidien. Et la seule chose qu'on veut, c'est que vous soyez encore meilleur. Ouais. Et boudez pas, il faut pas. Ouais, voilà, c'est pas. On a le seul rôle de. C'est notre rôle, malheureusement, de vous dire aussi ce qui va pas et. Faut l'entendre parfois. Non, c'était un jeu. C'est bon pour vous, c'est un mardi, c'est gênant. C'est bon pour moi. Allez-y, messieurs, du coup. À disposition. D'accord. Je peux me permettre une tétrovac, s'il vous plaît? Ah oui, allez-y, je vais. Je vais me changer, moi, parce que je me caille. C'est normal que quand ça pose des questions pour savoir si on a des charges contre les gens ou à l'SMS, on me coupe la parole pour préférer nous dire que la prochaine fois sera sanctionnée. Est-ce que vous avez vu une Turismo R rejoindre? Parce que là, du coup, en fait, on va peut-être relâcher des gens qu'on avait sur la poursuite, du coup. Monsieur Mercury, il y a bien, que je pense avoir reconnu, et après, c'est Monsieur Holloway. Attendez, on aurait pu demander. Attendez le stream, j'arrive, je vais juste me chercher une clémentine. Allez, 25, on y va. Je me charge, c'est que j'arrive. Ah, la trace... Ouais, c'est bon, ouais. Il est en hypo. Non mais là... Non mais juste avant, Balosto qui a envoyé deux plaques à 43 et 21. Il est en sécurité SMS, mais comme ils sont 4, encore une fois, je fais vous voulez faire quoi? Comme vous voulez.
Contrôle de vitesse ou barrage? Ah bah ce que vous voulez. Est-ce que vous le cadet, c'est vous qui décidez, tiens. On va faire des contrôles de vitesse et après on fera un barrage. Allez, on fait ça. Sortez des véhicules, tu vas sortir. Je mets un cadet là. Ensuite, mon cadet, truc là, Alvarez. Ok, ça marche. Ensuite. Ah merde. Je l'ai même pas fermé. C'est bon, on y va. On a les clim. Attendez, les radios. Et je prends mon ticket. 52 et 55 de Venadem 52 débute pas de trouille. 97 pour 15 ans. C'est bon. Est-ce qu'il reste une personne encore au LSMS? Je suis pas en SMS moi. Qui est présent en sécu LSMS? 51 08. Ah, j'en ai marre de la radio. J'en ai marre. Ah oui, ça fait plaisir. Que vous pouvez m'envoyer un message ou me dire quand la personne sort. C'est celle qui était sur l'autoroute, je suppose. Ça fait pas beaucoup de bruit, cette voiture. Surtout, est-ce que vous pouvez confirmer que c'était bien cette personne? J'ai baissé un chouï de la radio. Alors, sachant que son... Oui, vous avez bien fait. Je vais la rebaisser encore un chouï, c'est trop faux. Je sais que c'était pas lui qui s'était fait renverser, donc ça se trouve. Bah c'est inexistant, non? Ah non, c'est bon. Attendez, comme ça, ou ouais, encore un coup plus fort, j'ai... Ouais. Non, non, c'est bon, là. Oh putain, j'en ai plein le cul de ce prise d'otage. Alors moi, ça m'a un peu sauvé la vie. Parce que j'étais convoqué avec le lieutenant, là, je sais pas quoi, là, putain. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Mais je sais pas, bah encore, j'ai jamais rien fait, moi. Putain, j'ai pas posé le Uzi, au fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on posera plus tard. Allez. Un certain jeune d'eau, hein. Je me mets là. Derrière le sapin. Derrière le sapin. Et on prend le radar. Ouais, je prends le radar, moi. Attendez, est-ce que si je me... Vous avancez un peu, moi je peux prendre. Vous prenez un côté, moi je prends l'autre côté. Ça, vous prenez de l'autre côté. Est-ce que là vous prenez ce qu'en face de nous là? Ah ouais, mais s'il passe devant, on le tape. Ouais, mais... Ah ouais, on va quand même voir. Ah, ça prend derrière aussi. Ah ouais, ça prend derrière, bien sûr. Ah, trop bien. Tout ce qui passe devant nous. Ah, super. Ah oh, putain, j'ai des problèmes de dos aussi maintenant. Oh là là. Oh, tenez, regardez celui-là. Vous avez quel âge? Ouais, hop, vous l'avez vu? Hop, ouais, lui, là, lui. Il est combien? Il est à combien? Mais j'ai pas mais sorti mon radar. Mais putain, mais vous avez pas sorti le radar! Mais non, j'ai des problèmes de dos! Mais qu'est-ce que ça peut... Quand il y a eu un accident? Tu vas voir toi! Il est où? C'est lui devant là? Oh là 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 là, il est là, le con là! 120! Oh là là! Allez bim, sur le côté toi! Sur le côté, je vous ai dit! Sur le côté, monsieur! Allez! Sur le côté! Oh putain, j'ai l'impression qu'on va toper un QTRE. Vitesse excessive, hein. 164 km/h, hein, ça a été flashé, hein. Ah merde, attendez. Ah oui, merde, j'ai Ah, j'ai pas les clés. 0338 devient la fin début. Non, mais c'est bon, je vais annoncer à la radio, vous inquiétez pas. Ouais, oui. Ah. Ouais, occupez-vous, je m'annonce. Bon, monsieur. Dame 55 10 29 A sur. Ah bah c'est vous, monsieur l'otage. Oui, c'est ça. Ah bah vous savez pourquoi vous arrêtez là? Je me rapproche, je suis juste à côté. C'est pour la vitesse. Ah oui. J'ai perdu le contrôle du véhicule dans tous les sens. Ah bah vous voulez essayer? Regardez le cul, il part direct ça. Mais oui, mais vous avez vu la vitesse que vous rouliez aussi. C'est normal que le cul il passe direct aussi là. Eh oui! Ah ouais, c'est peut-être pas là. Vous êtes ma boule! Conséquence de c'est monsieur l'otage! C'était l'otage! Comment ça, c'est monsieur l'otage? C'était un député en otage? Oui! Mais oui, c'était un otage là où. Arrêtez de chouiner là, vous là! Oui, mais arrêtez de chouiner, pourquoi vous voulez vite? Mais c'est pas en train de chouiner moi, si vous voulez vite! Vous êtes en train de chouiner comme ça! Pourquoi vous roulez vite, monsieur? Bah pour faire scier mon monde! Ça te dérange! Bah oui, ça me dérange, la voiture elle est toute pétée, pourquoi vous roulez vite? Bon bah c'est faut que j'aille moins des bois dans ma maison. J'ai plus rien dans mes poches. D'accord. Ah non, c'est pas pour ça, parce que après je vais spinner. Non, c'est pour faire chier mon monde.
D'accord. Vous savez que là, vous nous avez dérangé. Si on était en train d'installer le radar et tout le tintouin, maintenant on va devoir tout recommencer. Ah bah, c'est un peu c'est comme ça. C'est moi, c'est assez rosé. Hein? Assez rosé. Ah, vous êtes éboué? Ouais, c'est oui, les poubelles. Ah, ouais, d'accord, oui. Ah, d'accord, d'accord. Vous avez contrôlé son permis de conduire? Non, pas encore, non. Bon, faites-moi voir votre permis de conduire, s'il vous plaît. Vous êtes venu crier comme ça à côté, on a pas eu le temps. Ah, d'accord, ok. Bon, mais ça, c'est votre identité, monsieur McAllister. Bah, oui, bah, on m'a tout de suite demandé les deux. 2004? Bah, oui, c'est 2004, moi. 96, bon, bah, donnez-moi votre permis de conduire, la génération Z. Là. 2004, mais vous avez quel âge? Bah, c'est les 17, là, depuis un mois. 56, 95, j'ai une Henri. Un mois. Oui, c'est ça, c'est de rencontre de plus 3 points sur le permis de conduire. Ah bah ouais, les radars, ça Attendez, vous avez quel âge, là, exactement, là? Eh oui, y a un problème, ouais, là. C'est 17. À 17 ans, vous avez pas censé passer le permis de conduire, monsieur? Bah, si, c'est à 16 ans. Ah ouais, d'accord, c'est vous la police, c'est vous, vous savez quoi. Bah, C'est une question piège, c'est une question piège, monsieur. Je pense c'est pour tester. C'est une question piège, voilà, c'était pour vous tester. Ah, d'accord. Et vous avez la bonne réponse. Ouais, voilà, exactement, comme dit mon collègue. Expérimenté d'ailleurs. Hein? Bon, la prochaine fois, vous roulez moins vite, d'accord? Vous allez me faire réparer la bagnole, vous allez chercher de la bouffe parce que sinon vous allez chouiner, d'accord? Vous allez faire réparer la bagnole et on va plus vous revoir. Ça marche? Ah, pour me revoir, c'est peut-être le compliqué, mais d'accord! Pourquoi c'est compliqué? Eh oui, pourquoi? À quoi qu'il faut qu'on s'attende? C'est pas vous, mais tout à l'heure, on m'a vu dans la cellule. Ah, quand on m'a posé la question, est-ce que je vais continuer? J'ai demandé si je pouvais répondre le sincèrement, on m'a dit oui, du coup, j'ai dit bah oui, je vais continuer. Bah du coup, j'ai dit à quoi? Vous me reverrez. Oui, quoi? Bah c'était de vendre de cocaïne. Oh là là. 17 ans et c'est déjà dans la coco? Ah non, moi je touche pas à ça, non, moi je me fais de la thune, non. Eh mais, vous êtes juste vendeur? Bah oui, c'est ça, oui. Vous allez sur vous, là? Mais sans le... mais c'est pas le stand, hein, c'est... Pousse de pouce, à chaque fois, c'est pas de magasin. Et vous donnez sur vous là de la coke? Ah bah non, là c'est pas l'eau. Avec que. Bah non, c'était au tas, c'était avant, c'est là c'est pas. Ils ont tout pris quoi. Non, ça fait rien, ça fait vendu tout avant. D'accord, ok. Ok, super monsieur le trader, bravo. Mais c'est quoi ça? Bah quoi, c'est quoi? Bah le trader. Le trader, c'est un mec qui fait de la colle. Madame, vous avez bougé de notre voiture ou quoi là? Ça va aller? Bougez de là! Laissez notre serrure tranquille, bordel! Allez, circuler, voilà! Bien, je suis sur le contrôle de 55. Pas d'excès de vitesse, sinon on vous retire le permis. C'est clair? D'accord, bah d'accord. C'est Cappuccino ou pas? C'est Nes. Je sais qu'on a une dure soirée, mais continue à travailler. C'est Cappuccino? Ok, on va passer une bonne soirée, monsieur. Et qu'on vous revoit pas, elle est très bien. Ouais, ça me met. Bon courage à vous! Merci! Et faites attention à vous, ouais! 10-4. Les deux madame sur la crête, mettez arme en main. Et vous les faites partir, s'ils veulent pas partir, c'est ça. Oh putain, mais l'autre il raconte sa vie à la radio. Mais c'est pour les malandrins sur la Great Ocean là. Ah oui, d'accord. Oui, c'est 16 ans le permis de conduire. Ah bon, je savais pas. Ouais, c'est bon, mais c'est 16 ans, ouais. Moi j'ai le foot en cabane. Ouais, non, faut pas faire de gaffe. Hein. Bon, attendez, parce que moi, qu'est-ce que je fous de mon Uzi là, si je l'enterre dans un trou là? Vous avez pour l'enterrer dans le trou là, vous le gardez, vous le mettez dans le coffre de la bagnole et puis c'est tout, hein. Vous emmerdez pas, hein. Oui, je vais le mettre dans la bagnole. Mais donnez les clés ou pas là? Non, je vous ai pas donné les clés, je vais vous les donner là. Regarde, c'est laquelle celle-là? Hop. Donnez. Merci. Ah, vous mettez le radar ou c'est moi? On va le mettre tous les deux, comme ça on sera sûr, non? Oui, c'est bon. J'ai collé une petite étiquette John Doe, hein, comme il dit. Ouais, bah ouais, John Doe, c'est bien. Bon, je l'ai mis à 90, hein. Ah oui. Il roule à combien lui, ce con là?
Bouge pas son cul. Ah bah on l'a pas eu. Bon allô. 25. J'envoyais le truc. Le luck. Ouais. À 22 km/h lui, putain. Oh ça arrive là, ça arrive. Oui, mais oui, ça part vers le nord. Eh oui, bah on y va. Mais non, ça part vers le nord. Mais on s'en fout, on y va et on colle. Non, on s'en fout, ça sort de la juridiction après. Oui, mais on prévient le LSS. Après, ils allaient vachement vite. Hein. Mais 120, 100, 140. J'ai jamais vu ça. 140, j'ai jamais vu. Ah oui, j'ai jamais vu, moi j'ai jamais vu une vitesse pareille. Hein. D'accord. À l'accueil pour mise en cellule des 3 bébés, s'il vous plaît. Oh putain, on a échappé aux mises en cellule. Ah ouais. Oui. Pardon. Excusez-moi, parce que quand vous étiez pas là, moi je me suis retapé un autre transfert. Putain, 155 km/h celui-là. Ah oui, j'ai eu 157 000. Il se barre. Oh putain, il se barre. Non, il y a le mur. Mais oui, il y a le mur, mais il y a. Oh putain, il se barre. Allez, c'est parti pour l'école radio. Attendez. Faut remonter le son, hein. Putain, il fait ce que je viens de faire. Dame 52, nous sommes en 10-31 sur une voiture à contresens sur la Los Santos Freeway. On va passer devant le. Putain, mais il est con lui. On va passer devant l'hôpital. On arrive en ville. Un véhicule américain bleu. Avec des néons bleus. Avec des néons bleus, il passe sous le tunnel de la. Du SMS. Direction ouest. Ok, remonte direction nord sur Alta Street. Toujours direction nord sur Alta Street. Toujours. Toujours direction nord sur Alta Street, on va arriver devant la Pacifique là. On est devant la Pacifique et continue, direction Clinton. Il prend direction ouest sur Clinton Avenue. On arrive devant chez Arc. Ah non, il prend à droite sur Las Lagunas Boulevard. Donc là on monte dans les villas. On est dans les villas. Blade Tree Canyon, direction nord. Toujours Blade Tree Canyon, direction nord. Il va peut-être falloir balancer un call pour le SCS. Ok, c'est bon, il part direction nord, là, il part devant le Vinewall. SPD pour le SCS. On a un véhicule en fuite là qui arrive dans votre juridiction sur Blade Tree Canyon, autorisation de poursuite. On peut continuer nous? Oui, il y a 10-4, merci. Ok, on a l'autorisation du LSS, on est sur Empty Han Road, direction Est. On est sur Empty... 10-4. On est sur Empty Han Road, direction Est. Empty Han Road, direction Est. Toujours, on va redescendre certainement sur la Señora Road. Nous sommes du coup pas dans votre... Oh bah il part dans les montagnes. Direction... On arrive... on est sur une montagne. Le trou du cul du monde. En bas, on arrive sur la Señora Road, là. On arrive sur la Señora Road. Ah, il s'arrête. Ok, bah, fin de course poursuite, je vous envoie la position à tout le monde. Attention, on arrive. Ben non. 10-4. Parce que j'ai pas de permis. Ah bah non. Ah bah ça. Ah bah merde. Ah bah ça, vous avez pas de permis. Ah bah j'ai pas de permis. Et c'est pour ça que vous faites une course poursuite. Exactement. Parce que vous pensez que là ça va mieux se passer. J'espérais la gagner surtout. Ah. Aïe. Ah malheureusement j'ai perdu. 10-4. Le problème c'est que. Et pourquoi que. Bonsoir. Ah bonjour. Bonsoir. Bon bah l'individu, alors je vous le dis, l'individu n'est de par chez vous, d'accord.
On était au niveau, on était dans un coin planqué. D'accord. On a fait un petit tour dans Los Santos, puis il est revenu ici. Alors du coup, il est resté chez vous, quoi. Je vais vous envoyer chier. Plus de permis. Ah, il a plus de permis, monsieur. Un peu de permis, pensez qu'il s'est enfui. Plus de permis, monsieur. Ah, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, bah, c'est exactement la question qu'on s'est posée, nous. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah, c'est pas simple de passer le permis. Hein. Ah bon compliqué. C'est pas simple de passer le permis. C'est pas simple de passer le permis. Bah non. Ah, explique-moi en fait, ça, monsieur. Bon, en fait, je le passe, mais je le perds aussi sec. Bon, ah oui, ça n'a rien à voir avec la simplicité de passer un permis ou pas, monsieur. Ah, si, si. Ah non, le permis, c'est simple de passer. Merci, agent, votre matricule. Et 55. Eh, agent 55, bien, vous voyez. Agent du SPI, agent 55, est intelligent. Oh, bah, j'ai un nom quand même. Ouais, bah, je sais pas, vous appelez pas des numéros ou bien. Oh non, Ah, votre nom, c'est 55. Non, bah non, c'est pas. Vous pouvez faire un 19-52 s'il vous plaît. Je suis sur un contrôle, dès qu'on a fini, j'arrive. 14. Ah oui, 19. On soustrait, qu'on machin. 19. Donc, agent 55, c'est 19. Non, non, voilà. Excusez-moi, non, c'est... Non, c'est Johnson. Johnson. Ah oui, Johnson, c'est vrai. Ah, 55, ça va mieux. Non, Johnson, c'est bien. Oui, Pchipchit. Oui. Ou Don. Mais là, ça serait vous donner beaucoup de classe, quand même. Oui, oui. Madame 51, 19, ouais, pas sur une grosse noire. En tout cas, bien, très bon travail. Hein, merci, mais c'est grâce à votre aide, vous êtes votre activité en radio. Hein. Une chose, monsieur Kidd. Oui. Juridiction, répétez après moi, juridiction pour moi. Juridiction. D'accord, oui, parce que pas juridiction. Ah, vous savez, dans le feu de l'action, je m'en mêle. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est qu'à la radio on doit donner les directions et donc du coup je direction, ah, oui. Direction, élévation, tout oui. Ça quoi. Juridiction. Oui, juridiction. Juridiction. Très bien, parfait, agent Kidd. Merci à vous. Allez, on libère, on libère cette personne sur la marche. Oui. Il roule sans permis. Allez, bonne soirée. Hein. Bonne chance, monsieur, parce qu'avec les shérifs ça doit pas être la même chose que nous, hein. Alors ça c'est sûr. On va entendre parler de ça. Putain, je suis... Faut qu'on fasse un 19, bordel. Pourquoi? Ah, je dire. Bah, il me suis convoqué, le bordel. Oh, putain. Bon, bah, 19. Dame 52, 19. Bah, écoute. C'est pour vérifier qu'on allait avoir un transfert pénitentiaire dans 20-25 minutes. Oh, non. C'est bon, je suis mort. Oh, non. En 10 contre 1 que je me le cogne, celui-là. De quoi? Le transfert pénitentiaire. Ah, merde. Oh, faut absolument que je rentre au commissariat, j'aille me planquer. Eh, si vous voulez, il y a le Uzi de John Doe. Ouais, là, j'ai pas le temps, faut que j'étiquette une arme. Non, mais moi j'en ai marre, je dépense plus d'énergie à utiliser des subterfuges pour éviter de faire le boulot de merde que de le faire en fait. Et vous savez, en fait, l'autre jour, quand on a patrouillé ensemble, on a pas fait de transfert pénitentiaire, non? Non. Ouais, je sais pas, j'ai dû péter un câble, je vous ai mis qu'on avait fait un transfert pénitentiaire. Oui. On m'a dit, vous l'avez fait? Oui. J'ai dit oui. Oui. Ouais, vous avez bien fait, comme ça je me fais pas engueuler. Ouais, mais par contre, ils m'ont dit, bon, on va vérifier, on va vous en faire un deuxième. Ouais, mais de toute façon, c'est pas dur, faut monter dans une voiture et puis rouler. Après, ils m'ont demandé si je connaissais les procédures. Ouais, bien sûr. On m'a dit, vous voulez conduire? J'ai dit, non, je m'occupe de la radio. 51, 19 B sur Monsieur Reed, simple rappel sur sa vitesse. Puis c'est passé, hein. 10-4. Oui. Partant 10-20, t'es au boost. Bah, rentre les transferts, en plus j'en ai ras le cul, à chaque fois je me les cogne. Ah, mais ça va changer là, je crois. Les transferts pourquoi de saisie. Pourquoi ça va changer? Je sais pas si vous avez dit accès. Je sais pas où ils l'ont dit, si vous y avez accès ou pas. En gros, ils ont réfléchi un peu là. Ça allait plus vite. Ah bon? Oui. Ils vont arrêter de mettre des agents du SPD à l'entrée du gouvernement. Ouais, mais ça empêche pas qu'il faut toujours. Ouais, mais ça ira plus vite du coup, parce que l'autre jour, je suis devant le SPD, mais. Enfin, j'étais devant le gouvernement, mais avec un sac et ça fait un homme en moins, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon. Je fais le plein. Allez faire votre rendez-vous. Moi, je. Allez, je vais. Mais c'est la promotion, hein. Eh, mais je pense pas. Ah bon? Oui, je suis au commissariat. Dans le mur du cap? Oui. A tout. Oh, la promotion. Oh là là, le sergent. Oh là là.
Et je regarde pour tous, est-ce qu'on peut me confirmer que Ella Smith était disparue et non recherchée? Disquette. Ouais, disquette. Au service Eden. Si quelqu'un a une affaire par rapport à Ella Smith, par rapport à sa disparition, elle est au SMS actuellement. Toi, elle est reçue. Ah, c'est Chapman qui s'est fait braquer aussi par LSR. Bonsoir, j'ai pas toqué, excusez-moi. Bonsoir, Kid. Bonsoir, Kid. Vas-y, je vais commencer. 64 pour la dame 15. Là, elle écoute. Non, il parlait du truc capitaine avant et après je suis à la déposition. Non, non, allez-y, commencez par le truc. Ok. Ok, donc ça pour ça c'est bon. Il est où le capitaine? Il n'y avait pas que ça? Non, il n'y avait pas que ça. Ça sent la promotion. De toute façon, moi, je vais prendre la suite. Ça sent la promotion. Oh, commissaire, au fait, merci pour les bonnets. Je sais que ça me ferait plaisir. Ah oui, c'est une grande avancée pour tous les speedy. Bon, écoutez, ça permet d'avoir les idées au chaud. Ah oui. Alors, tous les agents, moi-même et même la COGIP vous remercie, commissaire. Bon, à ce point-là. Ah oui, à ce point-là, oui. Environ. On sait pas tout le monde allait être au courant à ce point longtemps. C'était un sacré danger. Bah, allez, le nombre de fois où vous êtes venu m'en parler, oui. J'imagine que ça vous tenait à cœur. Oui, oui, oui. Bah après, moi je m'en fous, j'aurais pas de bonnet, mais. M52. Bon. Henri, on vous soutient. Vous n'avez pas froid à la tête, vous. Comment? Je disais, vous n'avez pas froid à la tête, vous. Oh non, ça va, non. Ok. Écoutez, si ça permet de donner du bien-être aux agents, j'en suis satisfait. De Henri RS à l'avant de Marathon. Ok, bah écoutez, c'est bon pour moi. Voilà. Lieutenant, c'est bon pour vous. Yes. Ok, et ben, Kid, dans ce cas-là, vous pouvez disposer. Je vais à la banque, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah, avancez, venez. Il est là! On est pas le mino au sud, on rentre dans le parking pour aller sur Ginger. Ça marche. Allez, ciao Daniel, ciao! Ça va. Tu vas dans le parking pour l'instant? Il est reparti! De quoi? Ah, mais vous avez. Ah oui, il faut qu'on aille à une banque. Oui, oui, oui. Ouais, on est reparti. Ah, j'ai eu une prime! Ah bon? Oui, 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 oui. Prime de quoi? Pourquoi? Comme ça pour mon excellent travail. Bah, félicitations! Non, non, c'est pas vrai, je déconne. Ah, d'accord. Non, je me suis fait putain, connard de médecin là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Et parce que l'autre jour là, une évadée de prison, moi j'étais en sécurisation à l'SMS là en bas. La meuf elle vient se faire soigner et le médecin il nous prévient quand elle se barre. Ouais. Donc du coup j'ai engueulé le médecin. Bah ouais. Et il s'est plaint à sa direction et du coup la direction s'est plaint au SPD et puis au loco. Écoute, c'est bon Henri, vous pouvez y aller. Par moi je suis pas correct avec les médecins. C'est pas la première fois. Bon couloir Henri. Donc maintenant ce sera bonjour, au revoir. Bah si vous dites bonjour très sec, on va vous dire la même chose hein. J'ai rien à branler. 14. Ah. Je bois un petit coup. Vas-y oui. Oh putain. Bougez pas, j'ai chopé des rougeurs. Ah oui oui. On me fout oh putain, j'ai tout. Je vais vous remercier les subs, hein. Excusez-moi, oh, mais. Oh bordel, j'ai pas de pommade. Je suis à côté de vous. Ça bougeait pas. Vous gardez la voiture le temps que Benny vienne la chercher ou pas? Ouais. Le col Benny a été fait? Ça, je vois là. Allez-y, faites-le. Ah, ça m'a l'air de passer à l'hosto. Ouais, faut s'en méfier d'eux. Oh non, mais comme ça au moins c'est fait. Oh, ouais, ouais, ouais. Pommade. Moi j'y vais plus de toute façon, je vais faire de l'automédication. Bon, j'ai envie de vous dire, manger une pomme par jour, hein, ça éloigne les médecins apparemment. Ah oui? Ouais, c'est un truc de grand-mère. Ah, une ouais pomme par jour, dit l'adage, éloigne les médecins. Ouais, j'ai mangé une clémentine, moi. Ça marche aussi ou pas? Bah non, c'est pas une pomme. Ah merde.
Du coup, vous êtes pas parti pour le convoi là? Regardez, Henri, les tirs. Ah non, j'ai. Attendez, il faut aller à la banque là. Ouais, j'ai trouvé une technique. Ah, attendez, je vais poser l'argent puis vous me racontez. Bon, je vous dépose devant. Oui. Allez, hop. Madame 38, 19 avec un individu. Hi there! Ah. Merci beaucoup! Merci énormément, Ezekian, pour le Prime. Hi there. Merci beaucoup, premier mois d'abonnement, bienvenue. Merci, Lan Toletto pour le troisième mois d'abonnement. Merci, le petit pigeon de Berlu pour le 11e mois d'abonnement. Merci, Zaman, pour le 4e mois. Merci, Arturovic, pour le 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à tous les follow aussi. Merci énormément. Merci beaucoup. Et le bisou. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Bonjour Arturovic. C'est bon. On se sent mieux avec l'argent en sécurité, hein. Ah oui, 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 oui. Ouais, donc je disais, j'ai la technique. On m'a dit, ah, vous voulez faire le convoi? J'ai fait exprès d'être au téléphone. J'ai un gros. Quand j'ai vu le monde à l'accueil, j'ai fait, oh, j'ai un gros dossier qui m'attend. Ah. Je suis parti dans la salle de pause. Ah oui, oui. Et vous êtes couché sous le canapé derrière le paravent là? Ouais, ouais, parce que personne nous voit. Ah ouais, 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 ça c'est bien ça. Oh, c'est bien. Ah, y'a un mec qui s'est vautré à gauche là, derrière nous, rentrant de l'autoroute en moto. Ah bon? Ouais, ouais, mais il repart. Ah bah, il repart. On sait qu'il va bien. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi le truc là? Un réveil d'un prisonnier, bon, on s'en fout. Attendez, je vais refaire le call radio. Merde, je me suis trompé de radio. Non reçu. Mauvaise manipulation, excusez-moi. 55 et 52 deviennent Adam 52 début de patrouille. Voilà, ah, j'en peux plus là, là depuis 20h là, on me fait faire que des trucs de ouf là. Oh, un truc de ouf. Bah, négociateur, convocation, depuis 20h là, j'attends que les lieutenants ils me parlent là. C'était pour ça au final. Oh bah, bien garé, tiens. C'était pour depuis 20h là, ils vous font miroiter. Oui. Mais non. Eh, mais en fait, je devais les voir directement au. Allez, 90, hop là. 90 aussi, allez, hop là. Je devais les voir juste dans la prise d'otage en fait. J'allais au commissariat et puis en fait j'ai eu la prise d'otage. Sacrée prise d'otage quand même, hein. Ils étaient plusieurs à être nombreux, hein. Comment c'est? Les preneurs d'otages. Oui. Bah, ils étaient plusieurs à être nombreux, ils étaient au moins quoi, 15? Je sais pas, j'en ai compté 12. Ah bah oui. Les otages, il y en avait pour beaucoup par contre. Par contre, ils ont fait une descente chez Arc. Hein. Non, mais par contre, oui, ils ont fait une descente chez Arc, c'est vrai. Mais les otages étaient 6, après ils étaient 7. On l'a jamais fait encore celle-là aussi. Là. Ah bon? Ouais. Parce que nous, d'après le SMS, ils étaient 4. Hein. D'après ouais, nous, ouais, ouais. 8. Et d'après les preneurs d'otages, ils étaient 7. C'est un bordel. Jamais le même nombre, c'est chiant. Non mais c'est, ils se rendent pas compte, mais c'est galère pour les comptes rendus. Bon, en vrai, ils étaient 7. Parce qu'on a les 7 pièces d'identité, donc ils étaient vraiment 7. Sur le parking. Et du coup, j'étais content, parce qu'il en restait plus que 1 à la fin. C'est Henri 95. Et après, ils sont revenus, ils ont dit, bah là, il reste 2. C'est 4. C'est 4. Parce qu'il a eu un mal de tête, il est revenu, je sais pas quoi, bref. Par contre, apparemment, il y a un preneur de tâche qui s'est barré pendant le. Ouais, ouais, au tout début, ouais. Et ça, c'est pareil. On était déjà sur les lieux. Vous étiez sur les lieux dès le début, vous aussi. Ouais, ouais. Ouais, et vous avez vu, il y a 3 voitures au moins qui sont revenues en plus. Non. Non, 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 c'est les voitures qui. Bah non, ils sont partis les uns après les autres, aller changer. 97, fin de service, bon courage à tous. Comment ça, aller changer? Bah, s'ils voulaient impérativement qu'ils aient des fusils d'assaut, et donc du coup, il fallait mettre la tenue anti-émeute. Ah non, non, mais des preneurs d'otages. Ah, les preneurs, ah oui, oui. En fait, il y avait que 2 voitures sur le parking au début. Ah oui, d'accord. Oui, c'était pas très bien gardé, hein. Oui, oui, oui.
Mais non, non, mais nous, je pensais que c'était nous. Nous, il fallait qu'on aille se changer, qu'on aille prendre des flingues, qu'on machin. On n'a pas le temps sur une prise d'otage. Oh là, 125, c'est parti, top à la vachette. C'est bien aussi le radar en vrai. Oh non, ils vont pour nous faire une. Qu'est-ce qu'il nous fait? Madame 52, 1029, Elgin Avenue sur une dilettante blanche. Indice 4. Merde, il part en courant! Les individus se sont. Il y en a un qui part en courant et l'autre en voiture. Je pars à la poursuite en courant, on est derrière. À la limite de la Señora Road. On remonte Clinton Avenue, je suis en train de courir, hein. Bougez pas! Les mains en l'air! Bougez pas! Il lève les mains! L'individu est neutre. Enfin, non, il est pas neutralisé, il est arrêté. Pas de problème, j'élève les mains, y'a rien fait. Venez avec moi, monsieur, venez avec moi. C'est Yerosé. Est-ce que vous êtes armé? Je crois pas. Il y a une plaque qui a flashé Elgin, ça pourrait être ça, 52? Pourquoi que tu cours, toi? Disquette. Ça va pas nous faire courir? J'avais envie de courir. Ça va pas nous faire courir? Mais attendez! C'est normal, vous devez être entraîné, non? Baissez les mains, monsieur, baissez les mains. Ouais, baissez les mains, ouais. C'est. Monsieur, je vais vous fouiller, d'accord? C'est. Pour voir si vous êtes pas dangereux. Allez-y, cadet, c'est pour votre formation, tiens. Attendez. Monsieur. Vous êtes américain? Pas vraiment. Ok, pièce d'identité. C'est du racisme, ça. Non, pièce d'identité. Pourquoi? Bah, je suis américain, du coup. Bon bah ça va alors, mettez-vous contre le mur, les mains en l'air. Si. 64 pour 52. J'ai envie de la position sur répondeur à l'instant. Bah, un truc c'est dangereux. Quand vous touchez les points d'anon, hein. Non, non, rien du tout. Rien du tout, pourquoi vous... Elles avaient couru juste pour ça? Si. Pourquoi? Ça coûte cher les mouchoirs. Ça coûte cher les mouchoirs? Bah je voulais pas comme elle les pique. On va pas vous piquer les mouchoirs, on n'est pas Zanzibar là. On baisse les mains. Si, il baisse les mains. Faut pas courir comme ça quand on vient à un contrôle de police. Ah, après, vous savez, j'ai entendu les sirènes, tout ça, par chez moi, de là où je viens. Oui, j'ai entendu les sirènes, part d'Alexandrie, je connais les chansons. Faut mieux courir, hein. Comme ça, faut mieux courir les sirènes. Vous avez quelque chose à vous reprocher, monsieur? Ah non, pas vraiment, regardez, j'en ai un sur moi. Et vous avez quelque chose à vous reprocher? Ah, pas du tout. Si. Pourquoi vous êtes mis à courir? Vous courez pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit? Ah si, regarde la preuve. Qu'est-ce que vous aviez de caché dans la voiture? Ah, rien du tout. La dilettante. Elle appartenait à qui, la dilettante? C'était qui dedans? Ah, c'est mon ami. Votre ami, il s'appelle comment votre ami? Il a rien à se reprocher lui aussi, votre ami. Pourquoi il s'en fout? Non, rien du tout. Pourquoi je sens un petit... Santé, officiel, le petit... Oui. Le petit sourire derrière là. Oui, faut creuser là. Ouais, il y a un petit sourire derrière là. Moi, ne prenez pas pour des gens. Monsieur. Il y avait tout vous avouer, vous avouez. Retirez vos lunettes de soleil. Un petit commentaire, le monsieur dit. C'est galère, vous rappelez. Pas de problème. 10-5, on l'a pas vu. C'est quelle radio? Oh, putain, il y a eu un 10-0-0. Ah bah, ça fait 1h30, oui. Non, mais. Non, mais j'ai la bonne, pourquoi j'entends pas? Ah oui, parce que elle est... j'avais mis à 0%. Merci beaucoup. Il a enlevé les lunettes. Hein. Merci Kivi pour le raid. Merci énormément pour les 4-5 viewers, Kivi. Oh merde. Oh non, mais la j'espère que ta série ça a été. Tant bien que mal. Merci beaucoup en tout cas pour le raid. C'est pas possible. Bienvenue à vous. Qu'est-ce que vous foutiez dans le Nord? Bah rien du tout. On revenait vers le concessionnaire. On n'était pas allé chercher du travail dans le Nord, mais il y a personne. Du travail dans le Nord? Si. Vous avez envie d'élever des vaches? Non, on voulait faire de l'alcool. De l'alcool? Si. La bière? Bonne fin de soirée, si, au plus fort. Au plus fort, oui, c'est de la bière, oui, c'est très bien. Non, il est dit au plus fort. Oh putain, voilà la dilettante. Comment? Voilà. Ah bah, nickel. Ah bah, oui. Putain, j'ai coulé pour rien. Quel est con celui-là.
Il s'est rendu tout de suite. Okay, ah oui, je dis qu'on est trop son ami. Ah d'accord. D'accord, merci. Il est pour rien. Bah, de rien, de rien. Oh, mais tu as eu Paul, c'est normal. Mais j'ai pas eu Paul. Là, c'est venu un policier. Si, j'ai eu Paul, les sirènes. Oh, tu as eu peur. Tu as appuyé la flûte, mais il avait rien, aucun problème. Pourquoi tu as couru? Ah, il avait envie de courir. Ça va, vous voulez un thé? Un thé, non, on aime pas. Non. Mais bon, vous êtes qui, vous? La compote. Je sais pas, vous êtes qui, vous? Moi, je suis officier de police. Vous avez un numéro d'accord, vous aussi? Vous avez un numéro? Non, j'ai pas de numéro, non. Non, enfin si, j'en ai un, puis d'abord pour m'inviter au resto. Hein? C'est quoi votre numéro? Une 12. Ben genre, invitez-moi au resto, puis ensuite je vous donnerai mon numéro. Non, mais pas votre numéro de téléphone, il y a rien à foutre de tout ça. Votre numéro de... Comment ils appellent ça ici, monsieur là? Vous êtes tendu ou... Monsieur, le numéro est-ce, de matricule. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir votre coffre de voiture, là, quoi, s'il n'y a pas un cadavre de caché, là? Parce qu'on a trouvé ça bizarre que vous partiez comme ça, là. Un cadavre? Cadavre de quoi? Le chien? Mais on sait pas, cadavre de... Peu importe, hein, d'animal. Le cadavre des poules, là, que tu as chassé tout à l'heure, là. Laisse-moi te le dire. Viens, on y va. On va vérifier le coffre des messieurs. Elle est à vous, l'automobile? Oui, si, bien sûr. D'accord. C'est quoi, c'est où le coffre sur cette bagnole, là? C'est derrière ou c'est devant, là? Vous entendez? Ah, c'est derrière. C'est derrière. Devant ou derrière? Au portier. Derrière. Non, c'est bon, les portières, c'est bon, c'est pas la douane. Bah, c'est pour les rations. T'as oublié avant la droite, ici. Mais y'a rien, là, hein? Y'a rien dedans. Y'a rien dedans, là. Oh, putain, attends. Regardez tous les sièges, au cas où, 52. Oui, ouvrez les portières, là. Eh, seigneur. Si, baisse dans mon talon, pas quoi, à mon avis, hein. Attends, avance ça. Attendez. Bah si, il y a pas ça. Écartez-vous, là. À démonter la boîte à gants, là. Est-ce que vous avez un couteau, là, pour les sièges, là? Oh, seigneur, là, il faut défoncer la voiture et tout. La voiture, on l'a payé, hein, elle est neige. Oui, bah... Au pire, on l'a vu sur le toit et on le garde en dessous, hein, on va pas se baisser, hein. Oui. Ah oui. Il y a la voiture, sur la voiture, c'est le seul. J'enlève le coffre, bougez pas, hein. Attendez, oh, défoncez pas la voiture, là. Une route secours. Regardez la route secours là en dessous là. Ça sent quoi? Ça sent le Maroc ou pas? Oui. Tout tombé tout à l'heure, mais quoi? Non, je sens rien. Rien du tout. C'est peut-être quand j'ai lâché les petits trucs sur les sièges. Ça fait deux jours que j'ai pas pris ma douche, on n'a pas eu le temps. Ah, sous la voiture? Il faut la retourner la voiture. C'est ça, ok. On voit que je bénise. Je bénise. Oh, putain, bah, ils retournent la caisse hein. Et ils peuvent la retourner la bagnole, non? Ça c'est quoi? Je pense, hein. Attendez, je vais regarder sous les sièges. Bon, monsieur Juarez. Au moment même, oui. C'est ça, monsieur Juarez? Si. C'est quoi votre prénom? Paco. Paco? Si. Comme le truc des murs, là? Ouais, de Placo, tu enlèves le R, ça fait Paco, hein. Paco 13. Paco, comment ça, pourquoi 13? Mais je sais pas, vous dites comme les murs. D'accord. C'est pas du Paco pourquoi 25 vous avez pris la 8, alors que Paco on est Marine, de vitesse si on fait de la salle de bain. Oui. Tout à l'heure, les sirènes, les sirènes. Paco Faïence. Paco Rabanne. Paco Rabanne aussi. Ah ouais, ça marche aussi. Donc du coup, vous entendez des sirènes? Premier truc réflexe, hop, on prend la poudre d'escampette. On peur, il fait le tour du quartier, je suis venu, il était parti, j'ai vu la voiture de police qui est arrivée, il me soit arrêté et j'ai attendu. Oui, il s'est pas enfui, monsieur. Oh non. D'accord. Il dit hola, seigneur, il m'a dit. Hola, seigneur. C'est ça les noms? Si, en plus, votre collègue, il a une belle moustache comme mon ami, alors je me suis arrêté. Oh, c'est gentil, merci monsieur Lopez. Lopez, c'est qui? Lopez. C'est pas vous? Oh merde, non. Comment, ouais, votre ami, comment il s'appelle votre ami avec le poncho? Le poncho, lui? Jesus Chias. Pardon? Arrête de foutre de ma gueule, pardon. Jesus? C'est bon. J'ai compris Chias à la fin. Jesus Chias. Ah, Dias, ok. J'ai compris Chias alors. Hein. Oui, bah oui. Ouais, votre ami a l'air d'être un peu taquin. Bon, la prochaine fois qu'il y a un contrôle de police, vous vous arrêtez, hein? C'est, seigneur. On n'est pas dans Zibar? Oui, vous faites pas les débiles à courir partout, là. Ouais, parce que après, nous. Zibar, je suis d'accord. Je vous raconte pas la soirée qu'on vient de se faire là. L'officier il a dégueulé pendant une demi-heure tout à l'heure là déjà là. Il y en avait partout dans la bagnole parce que l'autre il savait pas conduire. Donc du coup Bibi, hop, il vomit, hein, forcément, à gauche, à droite, puis en fait non c'était à gauche, et puis hop, à droite et machin. C'est un peu sur les chaussures là. Ouais bah oui, vous croyez que c'est un métier facile vous? Voilà, alors que nous on y posé, d'accord? On est là avec un contrôle de vitesse, hop, on venait de se servir les cafés, là vous passez devant,
On n'avait pas le temps de boire. Désolé, seigneur. Après, vous n'étiez pas obligé d'essayer de nous arrêter, hein. Et mais monsieur, vous savez ce qu'on fait, nous, comme métier? Un policier. Oui, well. Et ça consiste en quoi, oui? Un policier, faire couler les voitures, faire passer... C'est quoi chez vous à la TV, ça mange les donuts et ça boit le café. Non, c'est pas ça. Nous, on fait régner l'ordre et la justice en ville. Vous me faites des billets dans la ceinture et tout, ça va. Hein. Non. On n'est pas stripteaseur, hein. Vous me tout pareil, non? Non, par contre, si vous roulez à 100, ils étaient flashés à combien? 140, non? Oui, pas possible, les voitures à 90, c'est bloqué. Non, pas 90, c'est pour bloquer. Non, vous avez été flashé à 128 km/h sur une route limitée à 90 km/h. Mais oui, pas possible. On a mis le radar. On avait mis le radar. Oui, on a bon boulot. Ouais, bien sûr, nous on travaille bien. 120 km/h. Il t'avait dit de mettre le régulateur, tu m'as encore pas écouté, Paco. Voilà. Ah oui, il faut mettre le régulateur. Et vous avez le permis? Si, seigneur. On l'a contrôlé ou pas le permis de conduire? Bah non, on l'a pas contrôlé. Ah, ils l'ont contrôlé le permis? Si. Non. Pas contrôlé? Bon, bah donnez-moi votre permis. C'est bien tenté ça, monsieur Paco. Comment sont son famille, monsieur Paco déjà? Permis de conduire? Je sais plus. Invalide. Un problème informatique, non? Invalide. Apparemment, monsieur est invalide. Ah merde. Vous n'avez pas droit de conduire là? Bah non, merci. Normalement non. Vous l'avez vous le permis de conduire, monsieur Diaz? Non. Pas du tout. Attendez, qui c'est que vous avez vendu ce véhicule là, sans permis de conduire là? Ou une commissariat de policiers tout à l'heure. Comment ça, c'est commissariat des policiers? Ah, où on a acheté O'Ryan, c'est venu au commissariat. O'Ryan's? Si. Putain, ils vendent des bagnoles sans checker les permis, c'est con. Après, ils ont dit que c'est une voiture sans permis, hein, électrique. Hein. Ouais, si, hein, c'est pour ça, ouais, pas permis. Non. Alors, voiture électrique, oui, sans permis, non. Hein. Non. Oui, il nous faut le permis pour la voiture électrique. Ah oui. Mais je dis, on conduit une néon. On connaît pas. Bah, néon, c'est une voiture très rapide. Électrique. C'est pour le mettre sur la voiture, ça, le néon. Non, c'est ce qu'on met en dessous le Paco. On met le Paco et après, on met le néon. On met le Il avait commandé un néon pour te le mettre dessus, Paco. Qu'est-ce qu'on fait là, messieurs? Ah, mais ça vous de voir. Non, parce que là, nous le problème. Vous êtes solvable ou pas? On n'a pas rien d'argent, on cherche travail là. Comment ça, rien d'argent? On n'a pas beaucoup, à combien? 55 dollars. Une bouteille d'eau et deux sandwichs au pain. Et vous avez pas échoué loin avec ça là? Ou on peut s'arranger, ou faire un travail au commissaire, laver la voiture, passer l'aspirateur comme vous voulez. Ou changer pas. Après, ça appeler ses préférences, c'est faire la femme de ménage. Hein. Bon, ça, c'est pour toi, ressources. Attendez, venez voir. Attendez, venez voir. Oui, on va parler avec mes collègues. Venez voir. Vous partez pas, hein. Oui. Dites-moi. On a au SPD des trucs de tiges, là? Ouais, on a des. C'est le commissaire, oui. On a des tiges, mais le problème c'est que... Bon, les pauvres types, j'ai envie de leur taper sur le thé en haut du crâne en disant « barrez-vous » et puis passez votre permis de conduire. Hein. Au pire, on regarde la bagnole. Ah mais la bagnole, elle fait quoi? Ouais, mais est-ce qu'ils ont les sous pour le permis? Plaque de braquage de supérette... Ils ont pas les sous pour le permis, ils appellent un taxi. Ouais, oui. Ça me fait chier s'ils sont pas solvables. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont prison, papier, machin, demande de tige et tout pour rouler sans permis. On va faire la paperasse pour rien. Oui, parce que les tiges, c'est pareil en fait. La voiture. Mais il y a combien de permis? C'est 500 balles, 800 balles, non? Ah si, ouais, c'est ça, c'est 500 balles, mais bon, c'est les types, ils ont pas de thunes, quoi. Ils veulent pas payer, qu'est-ce qu'on fait? Non mais c'est surtout le permis, mais après la voiture aussi, après, qu'est-ce qu'on a fait? On va garder la voiture avec nous. Rapprochez-vous 03, ils ont l'air tout perdu, les pauvres, ils ont payé le permis. Oh là là, vous êtes un homme au grand cœur, sergent. J'ai une grande moustache. Ah là là, c'est beau ce que vous allez faire, là. Et dès qu'ils ont le permis, ils viennent récupérer le commissaire, on fait ça? Allez. Ça vous va, messieurs? Oui, moi ça me va. C'est quand ça, vous êtes d'accord? Oh, bah oui, moi je suis d'accord, c'est vous le chef, hein, chef. Oui, bah après, je suis le chef, mais en plus, c'est pour ça, c'est important. Vous avez une étoile, c'est vous le chef. Bon, messieurs, on va faire un truc. On va faire un geste. Je vais vous passer de l'argent pour vous passer votre permis, tous les deux. Si.
Si, okay. Moi, je connais pas, mais si. Ouais, comme ça, c'est fait. Comme ça, si un jour vous faites arrêter, vous avez le permis pour conduire. D'accord. Moi, il sait pas conduire. Ah, bon, bah, monsieur Lopez, je vais vous le payer au pire. D'accord. C'est toujours pas Lopez, ça, c'est pour résumer, nous, police, d'accord, nous payer permis à vous pour que vous puissiez faire vroom vroom avec votre auto. D'accord. Oui, gracias. C'est gracias. D'accord. Ok. Les véhicules, nous avons vous, auto alors, chez nous, cool. Le temps que vous passez permis. Vous revenez au commissariat ou justificatif. Et non, la sacunas. Voilà. Et le vous, permis de conduire. Vous revenir commissariat. Vous savez où c'est commissariat. C'est aussi. D'accord. Bon bah. Une fois que permis c'est fait, venir vous au commissariat pour que nous donner voiture à vous. Comme ça au moins c'est bien, c'est clair, c'est précis, il n'y a pas de mots, machin, tout le monde comprend. Voilà. Ce qu'on va faire, je vous laisse appeler le bénis. J'appelle le bénis. Oui, j'appelle le bénis. Voilà, et messieurs, suivez-moi, on va aller au permis. Allez hop. Vous suivre mon officier. Moi, ici. Voilà, suivez mon chef. Moi bien. D'accord. Ok, allez, c'est parti. Vous suivez mon chef. Montez devant ou derrière ou derrière. Derrière, s'il vous plaît, derrière. Tu passes ou je passe. On l'appelle bien des prix. Oh, tu viens de. Oh putain! C'est une affaire rondement menée. Ah oui, oui. Après, on n'est pas les secours populaires non plus, hein. Ouais, mais bon, le problème c'est qu'ils sont pas. Mais qu'est-ce qu'il faut avec la voiture, là? Je sais pas. C'est trop le problème. On a d'autres informations sur la Kuruma, un bout de plaque, un truc. Oui, par contre, messieurs, la prochaine fois, ça pense si sympa, la prochaine fois, c'est autre. Un blanc et un haut noir, col roulé, genre. C'est Seigneur. Mais ça vous sert de leçon! Enfin, un masque noir, quoi. Ouais, je pense que c'est bien rentré là de leur petite tête. Oui, là c'est rentré là. La Kuruma, elle a un aileron noir assez visible. Comme ça, au moins, ils vont pas dire qu'on est soco populaire. Oui, oui. Et que voilà. Ils auraient une autre bagnole, je les aurais payés. Mais alors, une surge. Ça vaut combien? Ça vaut 1000 balles, non? Je sais pas, on a pas pensé à leur demander le. Moi, j'aurais bien pris le couteau et éventré tous les sièges pour voir s'il y avait pas de la drogue dedans. Moi aussi. Hein. Je vais faire une. Bon bah il est costaud le coffre. Elle est peut-être ouverte hein. Oui elle est ouverte. Oh bah merde y'a tout qui se rue. Bon. Fermé tout machin. Ouais puis désolé moi je suis sorti de la voiture hein, j'ai vu courir hein. Moi je cours hein, direct aussi là. Oui mais j'ai vu. Et vous avez couru. Après moi j'ai pas quoi faire, je me suis dit oui. Ça se trouve il court et puis moi je suis la bagnole mais je veux pas vous laisser tout seul. Mais c'est ce que j'avais pensé au début, mais oui vous avez bien raison de. Bah ouais de si je vous avais laissé tout seul, imaginez vous avez planté un revolver sous le pif. Oui j'aurais été comme un con là. Du coup est-ce qu'il y a des contrôles en cours? Oh Zori, oh non putain 10-0-0. 10-0-0 10-0-0 à allez c'est reparti. Merde, il nous a pas trouvé. Ouais, on est là. on est là. Oui, ouais, on est là, ouais. Des véhicules, monsieur, qu'il faut amener au commissariat. Ok, ça marche. Voilà, nickel. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Ouais, oui, pas de soucis, on se rejoint au commissariat. J'ai vu la mort. Merci beaucoup, Elena. Vraiment qu'on est au commissariat. Bah ouais, parce que tout le monde va dire c'est quoi cette voiture. Elle est pas mal, notre petite planque, là, pour la vitesse, hein. Ouais, c'est vraiment pas mal, lui. Ah ouais hein. J'ai changé la radio Et après il y a les. Ah oui mais non mais ils sont partis au. Oui d'accord. Ils sont partis au permis, je suis con. Je veux dire il y a les collègues mais non. Ah, j'ai enlevé le radar, sinon. Oh putain. Bougez pas. Bah non mais j'avais toujours le radar activé, alors forcément il fait des misères.
Oui, merci beaucoup Elena pour le Prime, deuxième mois d'abonnement, peu présente dans le chat car botte de l'ombre et surtout de VOD. Et merci pour les fous rires entre ce chat de troller et le talent incroyable de ce streamer pro, merci beaucoup. Merci Bill Laporte pour le Prime aussi, cinquième mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup, merci énormément pour le soutien. Nous on troll ? Bah des fois un petit peu quand même. à mon plus grand plaisir. Faut prévenir en radio que... Tu sais ou pas ? Que la voiture ? Ouais, que... Il y a ça comme véhicule et puis que c'est un monsieur Paco Paco 13 là. Et que... Mais le problème c'est que la bagnole elle est ouverte. Il a notre soirée, oui, beaucoup. Mais soirée, oui. Le problème c'est que la bagnole elle est ouverte. Oui, bah personne veut la piquer là, si. J'ai envie de dire, sait-on jamais. Ouais, je pense qu'il faut, faut l'annoncer en radio. Il y a une surge blanche dans la cour, appartient à Paco, oui. Machin. C'est une surge ou une détente ça, au fait? J'en sais rien. Ouais, je sais pas. Dilettante. Ouais. Dilettante. Y a une dilettante blanche sur le parking du commissariat. Elle appartient à monsieur Paco. Il est en train de passer son permis et qui va venir la rechercher. Ah, je vais encore me faire déglinguer là. Parce que c'est pas non. Les directives, bordel. Oh putain, ah. J'en ai marre. Les directives ? Ouais, bah que je vais me faire encore déglinguer quoi. Au moins vous faites déglinguer quelque chose quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On repart en patrouille, on attend là? Et le problème c'est qu'il va en avoir pour une demi-heure de permis de conduire là. Bon bah on repart, allez c'est bon. Et restez pas au milieu de la route monsieur là. Eh tu peux me ramener chez moi? Vous parlez au... Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le côté là? Ah mais il parle au téléphone c'est... je pense ça non, qu'il y a... Il y a marqué police, il n'y a pas marqué taxi. Ben vous pouvez m'emmener chez moi quand même. Ben non, non, vous utilisez la borne, vous allez appeler un taxi. Ben vous marchez, ça vous fera du bien. La borne c'est gratuit monsieur, bordel. Arrêtez de prendre les gens pour des cons là. Putain, c'est pas possible. Hein. Ils sont ignobles les gens, hein, vraiment. Hein. Ah oui, non mais... Bientôt va falloir leur servir à manger aussi. Bon, on leur fait déjà en prison. T'as regardé là ces connards de médecins là. Quoi? Bah, rien parce qu'on passe devant, ça m'énerve. Ah oui, vous avez bien fait. Mais chez vous. Vous avez gros sur la patate, chef. Ah oh non, ça va, ça va. Non? Ah ouais. Ouais, il me reste 5 jours là à faire là. Après j'ai pris des vacances. Ah bon, tant mieux, vous êtes quand même tendu hein. Oh non, 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 ça va, je trouve, non. Vous trouvez que je suis tendu? Ah bah ouais, un petit peu, les vacances ça va vous faire du bien je pense. Ouais mais le problème c'est que faudrait que j'aille voir les médecins. Mais j'ai pas envie de les voir ces connards là. Je prenne un ou deux Xanax par jour. Du Xanax? Ouais ouais, des tranquillisants oh, prenez... là. Oh non, prenez pas ça, prenez pas cette merde. Ah ouais? Ah oui, non, non. Question conne là, parce que généralement quand on est. Quand. Enfin. Prenez pas mal hein, mais. Oui. Vous êtes constipé ou pas? Ah non, ça va, non. Non, je vais au sel régulièrement. Bon bah tant mieux. Généralement quand on est mauvaise humeur, c'est qu'on est constipé. Ah bon? Ouais, quand vous avez quelqu'un de mauvaise humeur, vous lui dites. Tiens, bois un jus de pruneau. Mais généralement, au bout de 24 heures, il est tout gentil. Ah, je sais pas. Ah ouais, non, 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 bah c'est directement lié à l'humeur. 09 à qui est la dilettante sur le parking? Mais putain, j'ai annoncé. C'est un monsieur Paco qui va venir la chercher. Ah, oh, je dis pas plus, oh, je vais me faire déglinguer, bordel. Bah non, au pire, on sort le sketch du. De la prévention. Oui, on oui. On faisait oui. De la prévention, ok. Oui, oui, oui. Et comment il s'appelle monsieur Paco? C'est pas 13 son nom de famille, c'est? C'est Paco Putain.
Monsieur Juarez. Ah, monsieur... c'est ça. Si, c'est Juarez. À côté. Regardez lui. On suit. Hop là, 122. Et en plus, il a coupé à travers. Allez-y, je balance la position. Adam 52, 1029 face sur la Seigneura Road, sur une véhicule sombre avec une bande blanche au milieu. 10-4. 10-4. Unité se rapproche, s'il vous plaît. 4-4, on va se rapprocher. 3 km à pied, ça a eu... Bonjour, messieurs. Vous pouvez descendre la fenêtre, s'il vous plaît. Vous pouvez couper le moteur. Bien sûr. Vous savez pourquoi on vous arrête, messieurs? Parce que je roule comme un fils de pute. Alors, j'irai pas jusque là quand même. C'est pas relevé terme, vous pensez? Oui, vous êtes peut-être un peu loin là. Mais en tout cas, vous étiez flashé à 122 km/h. En plus, vous avez roulé sur l'herbe, etc. Ah ouais, bah ouais, mais en même temps, c'est la neige, tout ça, ça freine mal. J'ai perdu le contrôle si c'est pas intentionnel. D'accord, mais quand même, je vais vous demander de descendre, monsieur, parce que même si ça freine mal, vous devez garder le contrôle de votre véhicule quand même. Oui, bien sûr. Vous avez qu'à rouler moins vite et comme ça, vous aurez pas le contrôle de votre véhicule. Oui, bien sûr. Et puis votre pièce d'identité aussi, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Monsieur Devon Pierce. Oui. Joaillier. Honnête citoyen. Ah oui, d'accord. Inconnu de vos fichiers, honnête citoyen, tout ça, vous inquiétez pas. Ah bon? Oui. Vous pouvez me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît, et ranger votre téléphone, par la même occasion? Non, mais excusez-moi, c'est ma nana, elle me demande où elle est là, elle est comme ça, elle me dit, vas-y, c'est quand que tu rentres, Devon. J'en peux plus, Devon, faut que tu rentres. Je veux bien le permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, tenez. Permis de voiture, 8 points. D'accord, vous êtes bien. D'accord, monsieur. Vous savez ce qui va se passer, là? Et vous allez me dire, monsieur Pierce, roulez moins vite. La prochaine fois, je vous mets une sacrée amende. Passez une bonne soirée, monsieur Pierce. Et moi, je vous dirai bonne soirée, monsieur l'agent. Et puis tout le monde est content, non? C'est ça? 43 devient Lincoln, pas très soir. Exactement. Ah bon? 4. Et... Attendez, je vais aller voir votre nom là sur mon ordinateur de voiture. Ok, 10-4. Vous avez fait passer une flash figure, c'est pour ça. Monsieur l'agent, c'était le temps de la prise d'otage. Alors, monsieur Pierce. Oh, c'est joué. Monsieur Pierce. Oh, il n'y a pas les chevrons sur le côté. Ta-ta-ta. Ouais. T'as déjà fait une... Ouais. Vous êtes pas inconnu de nos services, monsieur Pierce? Ah non? 66, non, monsieur Pierce! Ah bon? Eh oui! Ah, c'est peut-être un homonyme, hein. Vous savez, ça arrive ce genre de. Non, je ne pense pas, non. Alors, monsieur Pierce, c'est ce qui va se passer du coup. C'est que je vais vous retirer 2 points sur le permis de conduire. Et je vais vous mettre une amende pour infraction au code de la route. Oh non, pitié, je vais pas réussir à finir le mois si vous mettez une amende, je vais devoir manger de l'eau. Me faites pas ça, s'il vous plaît. Non, monsieur l'agent, pitié, si vous me retirez mon permis, je vais perdre mon boulot, je vais pas avoir assez de points. Pitié. Bon, allez, fous là ton amende, comme ça c'est réglé. Non, mais si vous voulez, si vous avez peur de finir le mois comme vous avez fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous amener en cellule directement, mettre votre véhicule en fourrière, et comme ça vous aurez peut-être un petit peu moins d'amende. Et pour quelle raison j'irai en cellule, putain? Nous on essaye d'arranger là, vous êtes en train de chialer parce qu'apparemment vous allez perdre que 2 points. Et qu'on va vous mettre une amende. Ok, allez. Vous êtes en train allègrement de vous foutre de ma gueule, monsieur Pierce. Non, absolument pas, c'est pas mon genre, vraiment. Ah, il est au téléphone, je vois, il est toujours sérieux. C'est comme ça qu'on est d'accord qu'ils se foutaient de ma gueule, les deux là. Non, c'est pas mon genre. Un petit peu, ouais. Vraiment, c'est pas mon genre. Renseignez-vous. C'était plutôt sarcastique. Renseignez-vous, c'est pas mon genre. Ouais, mais c'est du foutage de gueule sarcastique, non? Non, mais en fait, il. Non, sarcastique, il fait une en disant qu'il a pas peur des amendes et qu'il s'en fout parce qu'il a du pognon, en fait. Ah, d'accord. Monsieur est des joailliers, mais en fait, il a du pognon. Ah, d'accord. Bah oui, bah qu'est-ce qu'il y a, un joaillier? C'est un métier plein d'avenir, monsieur. Pourquoi? J'ai rien dit, monsieur. Ah, bah oui. Ah, bah ça, c'est un métier plein d'avenir. Ah, bah ça gagne bien, joaillier. Ah bon? Ah bah bien sûr, monsieur. Ah oui. Et vous travaillez où, là, du coup?
Ben, je suis au loco administratif de la joaillerie, elle a fermé, mais bon, le temps qu'on dépose le bilan, tout ça, on règle les papiers et tout, etc. Ça fait combien de temps qu'elle a fermé la joaillerie, là? Ouais, quelques mois. Oui, d'accord. Et du coup, ça fait quelques mois, vous touchez quoi comme salaire, là? Eh ben, je suis encore payé, je range les papiers et tout ça. Ah, d'accord. Et où c'est exactement? De quoi? Où c'est exactement? Les locaux administratifs sont dans le centre-ville, renseignez-vous. Ah, ben, je veux bien savoir où c'est, du coup. De quoi? Mais très bien entendu, monsieur. Sur Power Street. Power Street. Ah, mais si vous savez pas où c'est Power Street, hein, monsieur. Ah, c'est là-bas, d'accord, je ne sais pas. Mais oui, renseignez-vous. Bon, le monsieur, il a fini de râler dans la voiture aussi, là. Ah, monsieur, vous devriez se coucher aussi. Hein. Bah, excusez-nous de faire notre travail. Oui. Alors, je suis pas contrôlé, moi, ce que je sache. Hein. Mais si, un petit peu, monsieur, aussi. C'est pareil, entre guillemets. Ouais, c'est juste qu'on le fait pas, mais on peut vous contrôler aussi, si vous voulez. Ouais. On va éviter, ça fait de la paperasse. Ah oui. Alors monsieur, je saisis 2 points sur le permis de conduire. Waouh. Ouais, là, vous avez plus que 6 points, donc monsieur, faites très attention sur la route. Oui, vraiment, monsieur, je pense que là, j'ai compris la leçon, vraiment. Vous soyez pas condescendant. Mais non, mais vraiment, je... Ouais, non, il y a aucun... pas condescendant, ce coup. Il fait un procès d'intention. Pour l'instant, ne soyez pas condescendant, c'est juste un conseil, monsieur. Merci. Bon. Qu'est-ce que c'est? Alors monsieur, vous allez sortir du véhicule et puis on va vous contrôler du coup, vous faites partie du contrôle aussi. Mais faut pas rigoler aussi, voilà. Merci monsieur. C'est quoi votre nom à vous? Et qui moi? Téléphone, s'il vous plaît, monsieur. Oui, vous. C'est 52. Angers, voilà, merci. C'est pas un nom, ça c'est un nom. Juste votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Bon ben moi je vais... C'est bon, c'est pour moi, le contrôle il est fini. Monsieur Dali. Eh oui, vous attendez pas votre ami? Non mais je vais tirer des boules de neige sur les voitures. Ok monsieur Dali. Ah non mais c'est peut-être pas ça parce que... Ah vous êtes... Il y a un caillou dans la boule de neige monsieur. Quoi? Oui, ça a abîmé les permis. Oui. Situation difficile? Non. Ah donc vous êtes chômeur, situation pas du tout difficile? Non. D'accord. Non, non franchement il y a vie à pire. C'est comment le nom de monsieur? Monsieur Dali. Attendez, je vais regarder ça sur ordinateur de bord. Allez-y. Aïe. Mais regardez pas sur l'autre, ça, j'étais sur Netflix hein. Et ça s'écrit comment Dali? D. A. Deux L. Madame 95, Seigneur Arroz. Non, il y a un L et un I et un Y. Ah bah monsieur Dali aussi. Marie Morningwood. Alors en vrai je pense que vous ne connaissez pas beaucoup hein. Il n'est pas très connu, faites voir. Non mais vous avez pas regardé messieurs, je suis désolé. Bah c'est mon casier. Repartez à côté de l'agent. Véhicule, là, s'il vous plaît. Oui, sérieux? Oui, bon merci, au revoir. Oui, non, c'est juste histoire que voilà, tout le monde reste chez soi et puis tout le monde, les moutons sont gardés. Ça marche. Ouais ça marche, bah attendez, chez vous, vous habitez où vous? D'accord. Vous habitez où? Au bout de la route. Califia Road. Ah au bout de la route, là, sur Califia Road, d'accord, ok. Non, pas du tout. C'est l'adresse, hein. 264 Calafia Road, monsieur. J'ai une mémoire visuelle assez incroyable. C'est 264 Calafia Road, oui, maintenant que vous le dites. Allez, viens, chef. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On repart sur notre affaire? Ouais, on a l'affaire des. Bah, des Pablo Montoya ou je sais pas quoi là. Ah putain. Ouais, non, vous inquiétez pas, je vais bien. Oui. Ah, j'espère qu'il l'aurait eu. On laisser, c'est bon. Mais tiens, mais fais peur. On peut vous laisser, c'est bon. On peut vous laisser, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, allez, nickel. Ça ne sert à rien. Ah, j'espère qu'ils l'ont leur permis là parce qu'on va encore être. Bah, y'en a un qui l'a pas alors bon. Hop. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est alléger la mise en détention des. Attendez, y'a encore le lieutenant, j'ai encore me prendre une sauce. Non. Oui, lieutenant. Oui, soyez un peu plus focus. Putain, on parlait de nous. Oui, excusez-nous, on était sur un contrôle légèrement casse-couille entre guillemets. Ouais. Le véhicule blanc là, il va rester combien de temps ici? On arrive là, apparemment ils sont au commissariat, on arrive. Ok, parce que mettez dans le garage. J'ai annoncé le 19. À tout moment, ça fait pouf, hein. Ah, on peut le mettre dans le garage? Bah, si, oui, bah oui. On a le droit? Je sais pas. Si c'est pour ça, vaut mieux dans le garage parce que sinon il pouf, hein. Ah, d'accord, oui, d'accord, je sais pas qu'on avait le droit, lieutenant. Excusez-moi. Si c'est pour ça, vous pouvez mettre et vous le sortirez. Ok, ok, d'accord, ça marche. Merci, lieutenant. On est là, tenez, on est sur le parking. Parfait. Oh merde, on a le droit de le mettre dans le garage. Ah ouais? Oui. Et ils sont où? Ils sont à l'accueil? Bah oui, ils sont à l'accueil apparemment. Je vais les chercher, je les amène sur le parking. On contrôle les papiers sur le parking.
90-19. J'aurais dû changer de nom de famille. Paco 13 et monsieur Chasse, venez avec moi. Pardon, pardon, si vous écorchez mon nom, ça va pas le faire. Hein. Et c'est votre collègue là qui venait que vous appeliez comme ça. Bah non, je vous ai dit que je m'appelais Jess. Jess, oui. Jess, venez, messieurs, venez. Tu m'appelles Paco 13, ça va. Tu passes, toi, je passe. Pour ceux qui font 19, qui ont besoin de réparer leur véhicule, garer le véhicule. Sont comme ça, vous avez pas fait entrée de case. 10-4. Attends, j'aurais eu le temps de finir mon café. Il fallait le bon marchand, là. Et vous l'avez jeté aussi, là. Oh là là, c'est terrible, ce. Oh, tu m'étonnes, comment il a fait pour te rattraper tout à l'heure? Il a essayé de lui faire le coup du buisson, ça a pas marché. Mais non, j'étais un mètre derrière. Vous avez présenté les papiers à mon collègue là. Hein. Bah alors. Oh, un problème auto-école. Comment ça, problème auto-école? On ratait le permis. Comment ça, raté permis? C'est une blague. Pas permis. Oh bordel, oh j'en ai marre. Comment ça? Pourquoi vous l'avez planté votre permis? C'est pas difficile. Il vous dit à gauche, vous allez à gauche. Il vous dit à droite, vous allez à droite. Pourquoi vous avez planté? Une fois, il n'a pas mis la ceinture. Ou une fois où j'ai trop accéléré. Ou une fois, il a encoulé un pare-choc. Mais ça fait combien de fois ça? Ou en tout, j'ai dû passer au moins 8 fois. 8 fois? Ah mais c'est pour ça que vous avez mis une heure et demie là? Bah oui, en plus. Bien sûr, moi j'ai dû lui donner l'argent parce que moi j'ai pas passé, je savais que j'allais pas l'avoir. Et je voulais qu'il réussisse. Il avait même pas passé. Ah non, pas du tout. Bah moi c'était perdu d'avance. Hein. Ah bah, putain. Ici, trop compliqué, j'ai une passion. Ah, ici, bah oui, d'où vous venez? C'est quoi votre bled? On vient de Mexique. Vous êtes qui, vous, en fait, là? Comment ça, vous êtes qui? Je sais pas ce que vous foutez là, c'est quoi votre projet là? Comment ça notre projet? Mais je sais pas là. Vous venez foutre ici à Los Santos? Oui. On est venu travailler. On arrive pas à trouver de travail. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont été à la binouse, ils ont pas. Ils vous avaient pas été embauché? Non, il y avait personne, on a essayé le Rogers, pareil, là pour les poubelles, il y avait qu'un employé, il a dit les patrons ils sont pas là. Après, j'ai envie de vous dire, il y a maintenant une usine de textile qui va ouvrir. Une textile? Oui. On avait la date. C'est quand les élections, là? Cette semaine, le 11 ou le 12, là. Ouais, le 11 ou le 12, un truc comme ça. Bon, demain ou après-demain? D'accord. En fait, c'est la gouverneuse qui s'est pris un parachute doré, qui s'est ouvert une petite boîte de textile. C'est vrai, ça? Ouais. C'est quoi cette histoire encore là? Vous savez pas, chef? Mais non! Chef, regardez votre GPS. Allez, regardez dans le nord. D'accord? Sur Gracil. Oui. Regardez, il regarde aussi. D'accord. Vous voyez, il y a un petit bonhomme sur votre GPS. Oui, oui. Voilà. Et bah, en face, elle a même fait emménager une banque hein, en face. Hein. Ah, mais c'est une blague! Elle a déplacé le parking, le parking privé. Elle a aménagé la banque en face de sa boîte, à côté de la supérette, et vous avez l'usine de textile. On ne sait où, l'abside. Dans le nord. Dans le nord, à droite. Au-dessous du lac. Voilà, il y a un grand lac, là, bah, c'est au-dessus. Oh, d'accord. Voilà. Et ça, j'ai appris ça quand j'étais journaliste. C'est un des scandales que j'ai voulu montrer. C'est l'appel qu'il faut que je rappelle au journaliste, là, pour lui dire que c'est 20 000 dollars. Quoi, 20 000 dollars ou de la banane? Si. Comment ça, 20 000 dollars? Allez, c'est une histoire entre lui et moi. Je crois que vous avez pas d'argent. Ah non, justement, il faut que je lui demande 20 000 dollars. 20 000 dollars? Vous voulez faire un truc pour... Allô? Oui, vous êtes occupé, lieutenant? Non. Vous êtes au commissariat? Le problème, c'est que oui. Vous pouvez venir sur le parking, s'il vous plaît, là? Je suis. Vous êtes du moins, si vous avez un ami qui a le permis, on peut lui donner. Vous comprenez la droite et la gauche? Ouais, c'est parce que je suis un peu dyslexique. Oui, c'est pour ça, il faut que vous ayez quelqu'un qui ait le permis de conduire pour vous conduire votre véhicule. Bon, on a les deux loustiques, là, lieutenant. D'accord. On les a chopés, là, tout à l'heure, là.
Ils viennent d'arriver. Ils n'ont pas de permis. Trouvez quelqu'un, un ami, peu importe, on s'en fout. Ils n'ont pas le permis. On check le permis. Attends, je décale parce que c'est comme ça qu'il parle fort. Bradley Hobbs, il leur a passé de l'argent pour qu'ils passent le permis, du coup on a mis leur voiture là. Sauf qu'ils ont loupé le permis 8 fois, ces cons là. Du coup ils ont même pas le permis encore pour reprendre leur bagnole. Bah ils trouvent un ami. Ou ils demandent à un dépanneur de l'amener jusqu'à là-bas, jusqu'à chez eux. Ah ouais, d'accord, à dire. Mais ils ont pas de chez eux, hein. Pourquoi ils ont pas de chez eux? Bah ils demandent à... Un parking. Ouais. Comment ça s'écrit? Que se passe-t-il là pour deux là? Ils ont pas de permis. Hola hermano. Bonsoir, et vous avez arrêté 1000 fois le permis, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, lieutenant. Ils ont arrêté 1000 fois. Vous avez pas d'amis? Bah non, ils viennent d'arriver. Okay. On présente monsieur Paco 13 et monsieur Giaz. Enchanté, je suis lieutenant Malostro. Quand c'est comme ça, si vous n'avez pas le permis, bah vous le repasserez plus tard. Vous appelez le dépanneur pour qu'il vous l'amène dans un garage. Oh, si on peut appeler le dépanneur pour qu'il l'amène dans un garage. D'accord. Oh, si on peut faire ça. Et c'est... vous devez quand même payer le dépanneur, bien sûr. On a les tickets dépanneur. Ah oui, voilà. Pas de soucis. Bon, appelez la dépanneuse et puis il charge la bagnole. Ah bah elle est là. Ah bah nickel. Ou la dépanneuse, je sais pas, le véhicule, c'est une femme. On peut vous en prendre un, deux secondes. Pour vous expliquer, à notre gauche, on avait deux personnes qui n'ont pas de permis. Et qui ont raté 10 000 fois leur permis. Le problème, c'est que là, ils commencent à être tard. Leur voiture est là. Est-ce que ce serait possible, bien sûr, de les ramener eux et, c'est un lieutenant. C'est un lieutenant. Et ils vous payent. C'est un plus, c'est gladé, plus c'est une grande gueule. J'ai rien dit, moi. Bien. Vous voulez que je vous amène? Quelle galère quand même tout ça. Oui, mais ça, vous êtes dépanneur. En même temps, j'ai envie de dire, s'il t'avait pas vendu la voiture de base, alors que t'avais pas le permis, on ne serait pas arrivé là. On sait, ouais. Bah allez-y avec la personne, je vais vous amener. Une quelle personne? C'est la personne, le dépanneur. Elle prend la voiture. Venez, c'est moi. Le dépanneur. Ouais, le dépanneur. C'est le dépanneur, il est en train de réparer votre voiture. Par contre, c'est vrai que le Ryan, si vous vend une bagnole alors que vous n'avez pas le permis. Donc là, il répare votre voiture, il va vous amener au garage plus proche. C'est... Et bien sûr, vous allez payer la réparation et le transport. C'est moi, bonne, moi. Et votre ticket, ouais. Voilà. Une ticket. Voilà, parfait. Bien sûr. Et vous le remercierez, bien sûr. Très chaleureusement. Bon, c'est pour toi, Rizou, ça. Bah, il sait pas faire ça. Arrêtez-le au Mexique. Vous avez ça dans le sang, non? La chaleur du sud. Si, pour la picole. Vous êtes d'où, messieurs? Du Mexique. Ah bah ils sont là. Bah, allez-y, rentrez dans la voiture. Ouais. Mexique, ok. Ah, ils sont du Mexique, ouais. Une voiture ici, oui, là. Allez-y. C'est... Ouais. Je vais conduire la voiture, là. Ouais, c'est allez, en route. Allez, bonne soirée. Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai pas de lumière à mon vélo, hein. Oui. Eh oui. Pas de lumière. Ah, vous vouliez me parler au fait Oui, oui, tiens. Parce que là, c'est la soirée, là. Tout le monde qui voulait me parler, là. Ouais, j'avais une question. Oui. Dans une semaine, est-ce que vous serez libre? Dans une semaine? Oui. Ah, bah, moi j'ai pris des vacances, là. Vendredi ou samedi, là. Ok, vous faites quoi? Bah, je sais pas, rien de spécial, je pense. Ah, ça tombe bien, vu que vous étiez un peu. On va dire que vous étiez un peu outré de ce qui s'est passé au SPD quand vous étiez syndicat. On va discuter un peu, je vous invite à la montagne. À la montagne? Oui. Ah oui? À la neige? Ouais. Ah oui? Est-ce qu'on aura le droit de mettre des bonnets? Bah oui, là, oui. Bah oui. On pourra mettre des bonnets comme maintenant, là, on peut mettre des bonnets aussi. C'est vrai? Oui. Oh putain, ce sera incroyable ça. Et on sera avec le lieutenant Baker? On va former aussi un petit peu Baker pour la... Le syndicat Non, la motivation, et enfin pas la motivation, mais le mental, enfin tout ce qui joue sur le mental. Oui. Il y aura Turner avec moi aussi, on va travailler un peu. Ah mais je vais être connecté au gradé, moi, dis donc là. Non, il n'y a pas que... Il y aura un rappeur aussi qui va faire de la musique quand on lui demandera. Ah ouais? Oui. Il nous fera des showcases. Ouais, voilà, quand on lui demandera, il le fera. Bon, il invite un peu pour ça, mais il ne faut pas lui dire. Mais oui. Et madame Padilla. Ah merde, putain, j'espère qu'elle va pas être élue gouverneuse là. Ça va falloir faire attention à tout ce qu'on dit. Ouais, après, ce qui est dans la vacances reste en vacances. Hein. Oui, attends, par contre, c'est combien de temps, lieutenant? Une semaine?
Ah mais du coup, si je prends une semaine là, parce que c'est un peu pour le travail, non? Je sais où vous allez vous en venir, mais non. Ouais, ouais, du coup, en fait... Ok, d'accord. Et faut que je réfléchisse, j'ai combien de temps pour réfléchir? Bah, je vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5... Ouais, allez, je viens, moi, de toute façon, si je veux monter au SPD, c'est comme ça que ça marche, hein. Ok, parfait. Je me mets dedans. Et on part comment? Hein? On part comment? Bah, je m'en contrefiche, je vous donne l'endroit où faut aller et vous allez là-bas, quoi. Ah ouais, putain. Oh, on prend même pas un avion ou quoi, là? C'est à mes frais? Ah, bien sûr que c'est à votre frais. Vous voyez quoi, là? Ouais, bah ça, je veux dire, parler à la COGIP, là, que face à... Face à défraiement de deux frais là. C'est qui la GoKeep? C'est quoi ça? C'est le syndicat, c'est mon syndicat. Hein? C'est eux qui ont organisé le débat, lieutenant. Ok. Bah allez-y, allez-y, bah payez pour nous tous. Hein. Allez-y, lieutenant de service. On va pas entendre la radio? Disquette. Ah, ouais, c'est pas mieux. Non, non. Allez, 52 fin de service. Disquette. Vous êtes plus en service, c'est interdit de se servir de la radio, lieutenant. Bah là j'étais en service, tu peux voler. Hop, là je suis en service. Très bien. On semble... Et c'est quoi cette bite que vous avez dans le ventre? C'est pas une bite, c'est une fusée, lieutenant. Ouais. Ok. Eh oui. Ouais, et il est un peu malade. Mais la fusée elle est allée un peu partout là. Attention hein. Bah elle voyage beaucoup, vous savez. Ah bah oui, hein. Faut faire attention de pas trop visiter des grottes. Hein. Bah allez, bonne soirée à vous. Oui, bonne soirée, oui.